Ah bah voilà. Voilà. Bon bah, dites-nous si vous nous entendez, vous nous voyez. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Tu répètes ce que je Est-ce dis. que vous nous sentez? Là, ça devient flippant. Ah, j'ai oublié de lancer la musique. Tu fais pas ton taf, Oh, ça va. hein? Je fais ce que je peux, ok? On va attendre, de toute façon c'est pas l'heure. Ouais, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Bonsoir, bonsoir. Et comme vous le voyez, il y a une nouveauté, on vous voit sur le chat à présent. Enfin, tout le monde vous voit. Et Donc ouais. assumez ce que vous dites. Dunkey a tripoté Twitch pour trouver un moyen de mettre cette petite nouveauté. Découvrir des nouveautés en tripotant les gens. Eh ouais. Ah, Subaru, t'as pu venir? J'ai cru voir sur le Discord que tu pouvais pas. C'est cool que tu sois là. On nous voit. Bon, on nous dit qu'on a des jolies trognes, donc je pense qu'il va y avoir un souci d'image. Hein. Ouais, on Et va essayer de régler ça au plus vite. on nous entend. Alors, Becca, avant qu'on commence, je tiens à te dire que le dessin que t'as fait de Kiss et Peach m'a littéralement fait kiater. Déjà que la photo de base est super kiatante. Pas loin. Tac tac, excusez-moi, je règle juste deux trois trucs. Voilà. Voilà, comme ça. Oh. Et voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va être enregistré comme celui de la semaine dernière. Oui, cette fois. En fait, je fais la double sécurité, j'enregistre sur Twitch et directement sur mon PC au cas où. Donc, il devrait plus y avoir de soucis. Pour éviter qu'on soit tenté de regarder le chat directement sur le. Voilà. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Bonsoir Nimodachan, bonsoir Adopte un zombie. Ce pseudo me fait vraiment trop rire. Hey, vous êtes déjà 20? Oh, oh la vache. Bon, notre moyenne de chat maintenant, ça, enfin de live, c'est à peu près 30. Et c'est très très bien, franchement. Cette fois, j'ai pas fait de faute dans le titre de la vidéo, donc tout va bien. C'était quoi déjà la faute? J'ai fait Créarion. Créarion d'univers. Non, juste Créarion. Créarion. Donc voilà. Donc nous allons nous enjailler sur le sujet de la création de personnages sur les musiques du jeu Fable 3. Un de mes jeux favoris. Fait favori. Favoris. Voilà. Mes jeux préférés ever. Mm-mm. Est-ce que le chat. Non, le chat ne bug pas. Alors, c'est la fin de vacances pour pas mal de monde aussi là. Ouais, c'est ça. De la zone B. Moi, personnellement, je reprends le travail mercredi. On peut dire que les vacances ont été utilisées à bon escient parce qu'on a créé Motif ta plume, le Que tu as chapitre. fini. J'ai fini le chapitre 7. J'ai encore un petit tour d'horizon à faire. Je dois poser les Il doit textes. poser le texte et je dois faire la couverture de chapitre, mais techniquement, le chapitre 7 est terminé. Mais lundi, c'est férié. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je travaille pas le lundi, du coup, j'oublie tout le temps. Oui, le chapitre 7 est terminé. Quand est-ce que tu comptes le mettre en ligne? On verra, j'ai pas encore posé de date. Il n'y a pas encore de date, je pense qu'on la décidera quand Dunkey aura commencé la pose de texte. Bah, dès que je scanne, en fait. Ouais. Bon, pas ce soir, Non, hein. non, non, mais ce soir, de toute façon, je vais faire le tour du chapitre, voir s'il n'y a pas des trucs importants que j'ai oubliés. C'est mieux. Alors, la création d'OC, c'est vrai que c'est le sujet de ce soir. Alors, je vais tout de suite vous faire débander un peu. Je vais vous dire que quand j'étais en formation, la création de personnages après la création de l'univers, c'était la partie la plus dure. Ouais, et bah, C'est faut le dire ça. aussi tout de suite. Alors, Voilà. oui, je vais vous annoncer un truc qui va peut-être vous pas plaire, mais ici, si on parle de vos OC, on ne parlera pas du background. Voilà, donc là, tu vois, tout dépend de la backstory. On ne parle pas du tout de la backstory du personnage. On ne parle Voilà. pas de son background, on ne parle pas de son histoire. C'est ça. Donc, en fait, il faut savoir que le background, la backstory, tout ça, ça touche le scénario et nous ne parlerons pas de scénario aujourd'hui. On parlera vraiment des bases pour construire un personnage complet et cohérent.
Le background, c'est une chose qui se pose une fois que ces bases sont faites. Voilà, c'est ça, on va parler des traits de caractère, La de la personnalité. personnalité, la procédure pour créer une personnalité intéressante, cohérente. Et en fait, le background dans tout ça ne joue pas de rôle. C'est ça, en fait, le background est là pour faire un lien entre le personnage et le scénario à venir. Comme on disait, les personnages doivent être des acteurs que tu castes dans ton histoire. Voilà, donc ton personnage peut avoir une dizaine de backgrounds différents, une dizaine de scénarios différents. Les personnages sont comme des acteurs qui s'adaptent au scénario, c'est pas le scénario qui va s'adapter à eux. Donc voilà, donc si jamais on parle des OC, je préfère vous dire que si vous racontez le background, je n'y prêterai pas attention, sauf si on est arrivé à une. Sauf si on a bien avancé le sujet des bases et qu'on commence un peu à déborder sur le scénario. Mais jusque-là, on s'y intéresse pas. Voilà comment lier le personnage tout créé à l'histoire, au fil rouge, Voilà. à l'intrigue en fait. Mais là, on n'y est pas du tout. Voilà, c'est ça. Bah, surtout qu'il y a des personnages, il y a des auteurs qui, selon moi, je tiens à le dire, font l'erreur de d'abord écrire le background du personnage et de le créer à partir de là. Sauf que du coup, on a une personnalité qui est coincée par rapport à ce background. C'est-à-dire que le personnage n'est qu'une personne qui a vécu divers événements et n'a rien d'autre. Et je trouve pas ça spécialement Je intéressant. rebondis sur le message. Est-ce que c'est pour le tweet d'hier, du coup, à avoir effectivement avec le motif d'appeler aujourd'hui, c'était pour voir si les gens comprenaient bien en fait le principe de ne développer que le caractère du personnage. C'est ça, Dunkey, vous avez clairement dit de parler. T'avais clairement dit de parler du caractère, je Oui, crois. voilà, Oui, j'ai c'est fait le ça. caractère en 5 points négatifs, 5 points positifs maximum en fait. Et Voilà. pour voir si vous arrivez à décrire votre personnage sans entrer dans son background, dans son histoire. Donc voilà, en Ça, je fait, l'ai pas précisé pour voir si vous compreniez l'exercice. on a mené notre petite enquête. Il faut savoir que quand j'étais en formation et qu'on passait au tableau pour expliquer notre personnage, on n'a pas pris de note de qui a passé le test ou pas. Hein. Non, non. Bon, on va dire que dans 80% des cas, les gens ont compris l'exercice. Voilà. Donc, pour reprendre ce que je disais, quand j'étais en formation, quand on présentait notre personnage, à chaque fois qu'on commençait à parler du passé, tout de suite, il y a soit la prof, soit les autres élèves qui disaient: Ah ouais, mais non, là ça touche le passé, on est encore sur la personnalité de ton personnage, donc ça nous intéresse pas. Par exemple, des Destiani, dont je ne peux pas raconter le passé, parce que ça sera expliqué dans les versions Ender, on n'est pas dans une zone de spoil. J'ai créé son passé uniquement quand j'ai commencé à écrire NS. Et pourtant, Destiani est un personnage dont la personnalité est très liée à son passé. C'est un personnage qui a été façonné par le fait qu'elle a un traumatisme. Cependant, le traumatisme en question aurait pu être écrit de mille et une façons. Pardon. Donc voilà, même si votre personnage a une personnalité qui est façonnée par son passé, n'écrivez pas encore ce passé. Déjà parce que l'air de rien, le scénario va sûrement vous inspirer. Et en écrivant, vous allez souvent pouvoir vous dire: Putain, et si en fait le plot twist c'était que c'était tel personnage qui m'avait fait subir ça dans le passé? Donc c'est ça, dites-vous que le background arrivera à l'étape suivante qui est le scénario. Oui, ce serait dommage de vous limiter à une histoire déjà toute faite alors C'est que vous ça. avez une mille possibilités dans l'univers que vous avez créé. Vidéo Exactement. précédente. Exactement. On revient à la vidéo précédente avec l'univers. En fait, en faisant les choses bien étape par étape, sans prendre trop d'avance, vous pouvez vite rallier les points et faire quelque chose qui s'entremêle. Vraiment un truc de malade, quoi. Alors Karma, tu as 8 minutes de retard. C'est un Tu scandale. vas prendre un mot et tu reviens ensuite. Tu vas en vie scolaire et tu rapportes un mot et si tu recommences, je t'envoie chez le CPE. Des Désolé. formations professionnelles. Excusez-moi. 2 minutes le CPE. Putain. Je crois que les élèves tireraient tous à carreau, ils auraient trop peur du CPE. Mais t'es Donc, juste des pour en gueule. résumer, Karma, on ne parle pas du background du personnage. Voilà, c'est ça. Voilà, 8 minutes pour ça. J'y vais tout de suite, madame, ça ne s'en produira pas, si seulement ils disaient ça au lycée. Donc voilà, mais de toute façon, je pense que vu qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux arrivants entre-temps, je vais sûrement répéter ça toutes les 10 minutes. Mais c'est une information qui est vraiment primordiale, c'est peut-être même l'une des choses les plus importantes que je vais dire de ce live. Hein. Donc, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous avez des questions sur la création de personnages? Voilà! Bonsoir. Bonsoir, parce que bah, c'est un live, on est là pour échanger et non pas pour que je vous débite mes notes qui sont devant moi. Autant faire une vidéo face cam dans ce cas-là. Oui, voilà, autant faire un vlog ou une Voilà. émission sur YouTube. Par quoi on commence? Eh bah. Avez-vous des questions? Vous êtes sûrement beaucoup à avoir déjà écrit des OC ou être Parce que en par train quoi d'en on écrire. commence dans la création d'un personnage, c'est extrêmement vague quand même. C'est ça.
Commencer par quoi? D'accord. Le background, c'est mieux de s'y attaquer une fois qu'on a fait le scénario. Enfin, qu'on est sur le scénario. Comme dit, vous pouvez créer un caractère. Enfin, les gens s'en rendent compte en créant un OC. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un univers pour créer un OC. Oui, aussi, ça peut être de la tranche de vie qui se passe dans notre monde, quoi. Mais même si c'est le cas, même s'il n'y a pas d'univers créé, je vais y arriver, ne crée pas le background à cette étape. Parce que le scénario vous offre 1000 possibilités de faire un background qui va se compléter avec le scénario. À part si c'est un personnage secondaire qui a utilité dans le scénario, oui. Encore une fois, là on parle de personnage principal. Là, on va... aujourd'hui on va surtout parler de personnage principal, parce qu'il faut savoir que dans la logique, une fois qu'on a créé l'univers, si on a un univers, enfin une fois qu'on a posé son contexte, on crée d'abord le personnage principal, parce que c'est autour de lui que tout va graviter. Et souvent ça peut prendre du temps de l'écrire, mais si votre personnage n'est pas développé jusqu'à un certain point, vous allez avoir des gros soucis au moment de l'écriture du scénario. Alors, à la création du personnage... Alors, si la création du personnage ne touche pas le background et la trique, on a quoi comme base pour créer le personnage et pour quelle raison le créer? Bah là, les raisons, ça ne regarde que toi, mais si c'est dans le contexte d'une histoire, bah tu la crées dans le contexte de l'histoire. Alors, quel type de personne veux-tu écrire? Qu'est-ce que tu veux raconter à travers ce personnage? Est-ce que tu veux, je sais pas, par exemple, raconter comment peut-on avancer malgré un traumatisme, traumatisme que tu écris en dans du scénario? Comment peut-on se faire accepter par ses proches? Plein de choses comme ça, en fait. Quel genre de personnage tu veux développer? Et c'est de ça que tu parles. Quel thème tu veux traiter? Qu'est-ce que tu veux raconter au travers de ce personnage? Faut savoir qu'on a tendance à décrire les OC comme des petits chiens, des petits chats ou des enfants. Mais il faut savoir que les OC, c'est plus une sorte de messager qui permet de transmettre ses messages au public. Donc c'est ça en fait, qu'est-ce que je veux transmettre? Encore une fois, dans l'optique où vous créez une histoire. C'est ça. Ou ensuite, là, on est dans la création de toutes les manières d'un scénario, d'une histoire et tout ça, donc tout ce qu'on va parler, les personnages, ce sera en rapport avec la création d'un univers, d'un background, d'un fil rouge. Voilà. Donc, pour la raison pour laquelle on crée un OC dans ce contexte-là, c'est pour l'histoire, pour servir l'histoire. Pas pour le créer comme ça en mode random, sinon tu joues aux Sims. Et on va pas toucher à ça, j'ai envie de dire, si les gens veulent créer des... OC random pour pouvoir piocher dedans, pour faire du RP, pour pouvoir faire du jeu de rôle, etc. Ça, honnêtement, c'est pas un souci, ça nous est égal, mais là, on parle totalement de personnages créés dans le contexte d'une histoire. Bonsoir, Régalia. Salut, Régalia. Donc, voilà. En fait, quand on crée un personnage, on se pose un peu la même question que quand on crée un univers. Qu'est-ce que je veux raconter avec cet élément? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est con, mais par exemple, si t'aimes les fées, tu crées une fée. Et tu te dis, qu'est-ce que je peux raconter à travers une fée? Est-ce que je peux parler de mysticisme? Est-ce que je peux parler d'écologie? C'est ça en fait. Si t'aimes une panthère, bah fais une panthère et parle de, je sais pas, parle de des dégâts qui sont subis en Afrique à cause des safaris, etc. Enfin, il y a plein de moyens. Et tu sais ce qui est le plus fun en fait dans tout ça? C'est que tu crées une fée par exemple et tu te dis dans quel monde elle va pouvoir évoluer. Aussi. D'ailleurs, votre création d'univers peut partir de là, de dire j'ai envie de créer une fée. Donc je vais créer un univers qui tourne autour des fées. Je prends souvent l'exemple de la fée parce que... j'adore les fées, un truc de malade. C'est à la base, c'est un projet sur les fées que je voulais faire, mais j'ai fait des Sylvaniens. Bref, voilà. Tu sors du cadre. Oui, voilà. Une fois, il faut que je bouge ceci. Je suis obligée de me rapprocher de toi, c'est dégueu. Dans le même thème du live, mais j'ai du mal à comprendre la limite entre un OC et du self-insert. Vous pouvez m'expliquer? Ah, le self-insert, c'est quand vraiment... Tu te mets dans l'histoire, en gros. Généralement, très... très très présent dans la fanfiction. Alors, je vais le dire tout de suite, je n'aime pas le self-insert. Je le déconseille entièrement parce que pour moi, un OC, faut avoir une sorte de sécurité avec. C'est comment dire, c'est un OC, c'est un peu votre élément de travail. Vous pouvez l'apprécier. J'ai des OC de NS que j'aime profondément. Mais il n'y a pas une projection de toi dedans. C'est ça, il y a... Enfin, mais forcément un tout petit morceau de nous parce qu'on l'a créé. Mais pour moi, le self-insert, c'est dangereux parce que les OC, pour moi, on les offre à la foule, on les offre au public. Ils peuvent être critiqués, rabaissés. Et si jamais c'est du self-insert, on va forcément le prendre personnellement. Donc pour moi, il faut créer une distance. Tu peux essayer de traiter un sujet qui te tient à cœur, voire même de soigner toi-même quelque chose qui te tient à cœur, un traumatisme, quelque chose, une exactement. Faiblesse au travers de ton OC, mais pas être ton OC en fait. Mais évidemment qu'on peut s'inspirer de soi-même pour revenir sur ce qu'on dit, sur ce que dit Kashi. Il y a une part de moi où je me suis inspiré pour Destiny, une part de moi où je me suis inspiré pour Mylène, etc. etc. Mais c'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration aussi. Il y a des choses que je règle au travers de divers personnages de NS, mais si quelqu'un arrive et me dit « je ne supporte pas ton personnage », je ne le prendrai pas pour moi.
C'est pour ça que je déconseille de mettre trop de self-insert. Voire même de se foutre directement dans l'histoire. C'est... Voilà. À part si c'est une biographie ou ce genre de truc, oui, ça voilà. N'a aucun intérêt. Parce que tu te sentiras vexé, touché très personnellement si le personnage est critiqué. Et quand on est auteur, il faut se protéger. Je l'avais dit au live précédent, mais être auteur, en fait, c'est se foutre à poil devant une foule. Et il faut se protéger parce que d'une manière ou d'une autre, on peut être attaqué. Donc le self-insert, en fait, c'est vraiment s'offrir en pâture. Donc je le déconseille vraiment. Alors, comment éviter de tomber dans les clichés ? On est tellement entouré dans le schéma prédéfini que je me trouve souvent à tomber dans les archétypes, etc. Faut pas, déjà, faut travailler à partir d'un archétype. Hein, ouais. Alors, il faut savoir que c'est le héros aux mille visages que je compte lire cet été, qui est un livre où tous les archétypes sont listés. Et en gros, si on sort de ces archétypes, on fait un perso incohérent. Donc en fait, on ne peut pas échapper aux archétypes. Le tout, c'est d'éviter de faire un personnage qui est trop cliché, donc on évite les Marissous et les Garissous. Les gros billes. Les gros billes, en gros, c'est les personnages qui savent tout faire, qui gagnent tout le temps. C'est des personnages qu'on n'a pas envie de voir parce que bah, ça sert à quoi de les voir évoluer? Ils sont déjà au summum. Et ils sont super forts, trop forts d'ailleurs. C'est ça, Marissous et Garissous, on s'en bat strictement les couilles, on adore voir des personnages qui ont un défaut. Et d'ailleurs, ça me fait une très bonne transition pour ma suite. Alors, à partir de quoi il faut... Alors, en partant de création de perso, vous aurez des conseils pour trouver des noms de personnages. On reviendra plus tard. Hein. Ça arrive sur la fin, le nom. Un gros conseil que je vais vous donner en termes d'écriture, on m'a conseillé de commencer en écrivant le défaut principal du personnage. Alors, pourquoi le défaut principal du personnage ? Si vous ne voyez pas ce que c'est, Garissou, Marissou, Grobille, je reviendrai après. Pourquoi le défaut ? Eh bien, tout simplement parce que ce défaut va être un frein à votre personnage au cours du scénario. Et c'est ce défaut que ce personnage va devoir apprendre à accepter, régler, ou je ne sais quoi d'autre. En gros, c'est ce que vous allez vous dire, comment mon personnage va capter qu'il a ce souci et qu'il doit pouvoir avancer avec, le régler, l'affronter. Et en fait, ça va toucher le scénario, ça va vous donner des premières pistes. Donc, commencez directement à écrire là-dessus. Choisissez son défaut principal, son problème, son frein, et développez-le. Et comme ça, l'air de rien, ça peut vous éviter dans un premier temps de faire un personnage cliché. Parce que déjà, ça ne sera pas un personnage parfait. C'est-à-dire un Marissou ou une Garissou qui sont les personnages parfaits, féminins et masculins. Et ça, on n'en veut pas. Par exemple, est-ce qu'il a un trop gros problème de confiance en lui ? Est-ce qu'il est trop fier ? Ça peut être plein de choses. Le défaut principal d'Akmar, c'est qu'il est lâche. Et qu'il fuit ses problèmes, du coup, où il se cache. Voilà, je vous dirai pas les problèmes principaux du personnage de ENS parce que l'histoire n'a pas encore été assez développée pour que je vous le dise. Mais en fait, c'est ça. Et en fait, il faut savoir comment vous écrivez ça. Votre personnage n'en a pas forcément conscience. C'est dans son inconscient. Et le but de l'histoire, c'est de faire surgir ça à la surface pour qu'il l'affronte. C'est-à-dire que les autres personnages peuvent le voir, peuvent l'avoir cerné, peuvent vouloir le prévenir, mais votre personnage est dans un profond déni. Ou il arrange la réalité selon lui. Et le but de l'histoire sera de le faire évoluer. Parce que c'est ça qu'on aime, c'est voir un personnage évoluer. Parce qu'on n'a pas envie de s'identifier à des personnages parfaits. Personne sait ça. Personne n'a envie de ça. Franchement, vous avez envie de ça, vous ? Mais non ! Donc déjà, comment s'identifier à un personnage parfait ? La plupart des gens ont complexe d'infériorité, déjà, naturellement. Voilà. Des évolutions dans le mauvais sens, oui. Style des régressions. Comment on appelle ça, rise and fall. Mais c'est souvent sur les anti-héros ou sur les antagonistes. C'est plus anti-héros et antagonistes. Antagonistes. Wouh, antagonistes. Parce que c'est... En fait, dans ce cas-là, c'est un peu comme Kira dans Death Note. Il faut montrer que cette régression est due à quelque chose. Et là, ça fait contre-exemple. Ça fait un peu... Si vous faites ça, vous allez chuter. Vous avez peut-être monté au début, mais chuté au bout d'un moment. Rise and fall. Je ne pense pas que ce soit pertinent en fait, de faire ça avec un héros qui a la sympathie du public. Oui. Le message passerait pas, en fait. C'est essayer de vous en sortir. De toute façon, vous vous casserez la gueule. C'est moyen, quand même, comme message. Ouais, voilà, c'est ça. Alors... Bonsoir, Sinkline. Lorsque je crée un personnage, j'ai toujours cette manie de créer une sorte de planche tendance pour son physique, regroupant des photos d'acteurs modèles de style... On n'est pas encore au physique, de toutes les manières. Alors moi, le physique, j'y touche pas tant que j'ai pas écrit le personnage. Parce qu'en fait, écrire d'abord le personnage, ça me permet de me dire... Par exemple, s'il est excentrique, je
pourrais montrer ça dans son physique. Ou s'il cherche à se cacher quelque chose, je peux passer dans son look, etc. Et donc, je préfère... Destiny est un parfait exemple avec son bandage. Oui, voilà, c'est ça. Destiny, j'ai rajouté son bandage parce qu'elle a un gros complexe par rapport à sa cicatrice. Oui, Les Affranchis, exactement. C'est un film qui a traité Karim Debbache, qui parle du coup complètement du rise and fall. Quelqu'un qui monte dans la mafia et qui finit par chuter. Encore une fois, un antagoniste ou anti-héros. Comme sommes-nous obligés de faire une sorte de créer une identification à nous quand on crée un personnage. Salut Régis, et bon, pour moi c'est pas obligatoire. Non, je ne pense pas. Non. Tu n'as pas à t'identifier à tous tes personnages, je pense. Non, moi il y a certains personnages de mon projet où je m'identifie, mais pas du tout quoi. Oui, quand t'écris parfois certains traumatismes ou certains certaines peurs, t'es pas obligé de les avoir ressenties ou. Mais dans ce cas-là, faut se documenter. Oui, faut se documenter. Faut se documenter. Si on a la possibilité de parler avec une personne qui a subi ça et qui est prête à en parler, voir avec des psychiatres, voir avec des professionnels, se documenter sur internet, chercher des témoignages. Même avoir écrit quelqu'un qui a réussi dans la vie, si toi t'as pas réussi, ça sera complètement con. Hein. Oui, voilà, c'est con, mais. Mais voilà, c'est ça. Donc, si vous écrivez un personnage qui est vraiment à l'opposé de vous ou qui a une expérience totalement différente de la vôtre, faut se documenter. Voir le genre de vécu qu'a ce personnage, les expériences que ça peut créer. Je sais pas qui, c'est Ovocaine, je sais plus, qui parlait des clichés. Ne fuyez pas les clichés non plus. Oui. Ne les fuyez pas parce que tout le monde est cliché. Même nous, hein, on a des réactions clichés dans la vie et il ne faut pas fuir le cliché. Il faut bien le doser. Mais de toute façon, je pense que si t'as peur des clichés, si tu commences à faire un personnage cliché, tu vas le sentir. Ouais. Je pense que tu vas le sentir. C'est si le personnage manque de profondeur, qu'il est prévisible et tout ça, tu sais que t'es sur la mauvaise voie. Le personnage est-il obligé de régler ses défauts ou peut-il changer son environnement pour un environnement qui accepte ses défauts? S'il est colérique au point de tout péter, il faut pas qu'il change d'environnement, par exemple. Quand je parle d'un défaut, c'est un défaut qui est un problème. Qui est vraiment un problème, pas un défaut du genre... Parce qu'en fait, ça revient un peu à dire que toute personne qui a un défaut doit juste chercher des gens qui acceptent ce défaut, même si ce défaut est un sérieux problème, du genre colérique... C'est du déni. En fait, tu fuis de la confrontation à tes problèmes si tu changes d'environnement. C'est ça. Je pense pas que ce soit un bon message à transmettre au public. Tu peux faire en sorte qu'il, dans un premier temps, il le fuit. Effectivement, d'ailleurs, ça ferait une très bonne évolution. Mais il doit se confronter à son problème. Voilà. Bon, ensuite, si on lui reproche des choses qui en soi ne sont pas un défaut, évidemment qu'il peut changer d'environnement pour se sentir mieux. Mais pour moi, si un personnage n'entre pas en confrontation avec lui-même, il n'y a pas d'intérêt. Et oui, chercher à faire trop original, ça risque d'être raté. Oui. Risque d'être un gros trip sous LSD. Oui, voilà, c'est ça. Et au final, à part les fans de trucs contemporains, il n'y a personne qui va te suivre. Autant faire du contemporain. Et t'as pas envie d'avoir ce public. Non. Personne n'en a envie. Non. De la branlette et tout, intellectuel. Oui, les autobiographies, ça peut être une très bonne documentation pour les personnages qui ne sont très très loin de toi. Mais en tout cas, oui, pour revenir sur ce que j'ai dit, si vraiment le personnage est trop différent de vous, posez des questions à votre entourage, documentez-vous. Moi, je sais que j'ai pas trop ce souci, parce que Destiny a des traits de caractère que je connais et comprends. Mais... Moi, je sais que je prends pas le risque d'avoir de personnages principaux qui sont trop différents de ma personnalité, par sécurité. Le cliché, c'est ce qui est totalement répété quand on en fait une généralité. C'est l'éloigné des clichés, il y a un seul moyen de le faire, c'est ce que notre professeur appelait, et je pense que tu t'en rappelles, Régis, customiser son personnage. Customiser son personnage, c'est en gros se servir des expériences qu'on a eues, des goûts qu'on a, des préférences qu'on a, pour que le personnage soit entièrement à l'image de ce qu'on aime, de ce qu'on apprécie, de ce qu'on veut raconter. Par exemple, sa manière de parler, sa manière de s'habiller, ça, c'est des petits complexes, des trucs comme ça. Faire de ton personnage qu'il ait des tics, des goûts particuliers. Oui, voilà, c'est ça. Le rendre consistant, quoi. Le rendre consistant. En fait, si jamais tu vois que ton personnage est cliché, mais que t'as quand même envie de travailler cette personnalité, mais je sais pas, par exemple, mets-lui un look à l'opposé de cette personnalité. Donne-lui des tics, par exemple, si c'est un personnage shoujo hyper cliché, fais-la parler comme une wesh de cité. C'est un peu extrême comme exemple, mais par exemple, c'est ça. C'est, en fait, on peut pas s'éloigner des archétypes. Tous les archétypes existent et sont listés. Le tout, en fait, c'est de faire en sorte que les gens, en voyant ton personnage, se disent « Oh putain, alors lui, il est excellent, je kiffe !»
Et le tout, en fait, c'est de vraiment customiser son personnage, de dire quel personnage ça me ferait triper de faire, qui sortirait du lot. Mais de toutes les manières, après, tu as un personnage que tout le monde connaît un peu, c'est compliqué de retirer cette image alors qu'il est plus ce qu'il en a l'air. Mais c'est comme tout le monde, c'est, tu vas au lycée ou au collège, tu vois quelqu'un, tu fais lui c'est l'intello, lui c'est le gothique, mais tu le connais pas. Bah c'est oui. Pour l'instant, tu te fies au cliché que tu connais. Et en connaissant cette personne, tu apprends que bah, y a de la profondeur, elle est différente, elle aime des choses qui n'en ont pas l'air, enfin ce genre de choses. Voilà, par exemple, l'intello, il te dit qu'en vrai, il a 5 de moyenne et qu'il a séché pour le concert de Metallica, quoi. Ouais, et que s'il porte des grosses lunettes, c'est juste parce que c'est un gros myope, tu vois. Voilà, c'est ça, et que sa famille n'a pas assez pour lui faire des lunettes réduites. Mais ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur Webtoon, dans les commentaires de Siska, c'est, on m'a dit, Pavel est un génie, il aurait pu le cliché, mais il ne l'est pas, parce qu'il a une personnalité, justement. C'est un génie solitaire, et pourtant, non, il aime discuter, il fait de l'humour, il est nul à l'école, enfin, ce genre de truc. Ouais, si par exemple, si le personnage de Pavel, qui est un génie mécanique, avait eu des notes de malade à l'école, il aurait été pas aussi intéressant. Non. De toute façon, j'aimais pas travailler à l'école. Pour vous donner un très bon exemple, vu que je suis en train d'écouter les livres audio de Harry Potter en ce moment, Hermione aurait pu être un personnage cliché, parce qu'elle est super intelligente. En cinquième année, elle a un niveau de septième année. Mais il y a des trucs où elle peut être assez stupide. Par exemple, le fait qu'elle soit bornée, qu'elle insiste dans son délire avec les elfes de maison, oh, putain, ouais. Peut la rendre sur ce sujet très stupide. Et en fait, il y a vraiment 2-3 trucs où elle est à la ramasse. Ce qui fait que Hermione a une profondeur de par ses défauts, du fait qu'elle est bornée, qu'elle refuse d'écouter Luna Lovegood sur certaines choses sous prétexte que Luna n'a pas de preuves alors que Luna est un personnage ultra intelligent. Et en fait, c'est ça qui donne de la profondeur, le fait qu'Hermione soit bornée sur certaines choses. Oui, à un moment, elle a fait quand même du jugement de valeur. Hein, oui, c'est ça, elle fait du jugement de valeur. Mmh. Et c'est con, mais c'est ses défauts. La divination aussi. C'est ça, la divination, le fait qu'elle... bon, la prof, elle est chelou, mais quand même, Hermione aurait pu ne pas arriver en cours en disant directement que c'est de la merde, quoi. Oui, ça, j'aime bien pour quelqu'un, enfin pour une moldue qui arrive dans le monde des sorciers, dire que la divination... C'est de la mystification, oui. Quoi. Et c'est con, mais c'est vraiment ce genre de détails qui sont intéressants. C'est, par exemple, je sais pas, dites-vous, ok, mon personnage, je vais vous donner un exemple que j'avais fait quand j'étais en première année de mon école. En fait, je voulais montrer que mon personnage passait tellement de temps à s'entraîner qu'elle faisait passer sa profession de guerrière avant elle. Et en fait, bah, je mettais des trucs du genre, elle a toujours son couteau sur elle, des trucs clichés. Mmh. Et en fait, ce que j'ai fini par mettre en place pour le montrer, c'est qu'elle s'occupait tellement de son métier de guerrière et pas du reste, que ses cheveux étaient tellement emmêlés que les souris du village, ils faisaient leur nid. Donc en fait, c'était une meuf qui se promenait avec des souris sur sa tête. Ça aurait pu être la cliché de la guerrière. C'est ça. Et en fait, ma prof m'a dit que ce qui fonctionnait, c'est que je montrais le fait qu'elle fasse passer sa carrière de guerrière avant le reste parce qu'il y avait des souris sur sa tête. Et c'est con, mais c'est le bon moyen d'éviter un cliché. Si vous partez d'une chose cliché, personnage qui n'a pas confiance en lui, qui fait passer sa profession avant le reste, mais vous trouvez un moyen original de le montrer, vous fuyez le cliché. Et les personnages, les personnes, vos lecteurs vont forcément se dire « Ok, lol, c'est drôle. » C'est con, mais c'est bon, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, ça a marché. Et dans les personnages qu'on a reçus, on a eu des détails à la con qui nous ont fait rire chez les personnages. Ouais, voilà, moi j'ai rigolé comme une conne parce que quelqu'un avait précisé « complexe sur ses fesses hein. ». Et mine de rien, ça donne de la profondeur au personnage. Il est complexé, mais c'est sur ses fesses, et c'est drôle. Ouais, voilà, c'est ça, c'est con. C'est moins drôle quand c'est moi, par exemple, qui suis complexé sur les fesses, mais... Mais voilà, c'est ça. Par exemple, l'un des trucs qu'on pense directement en parlant de Salika, c'est qu'il mange tout le temps des fruits. Faut savoir que dans le monde de NS, les fruits, tous les civiliens ne peuvent pas en manger. C'est un produit de luxe. C'est un produit de luxe. Donc en fait, le fait que Salika en mange tout le temps montre que c'est un civilien aisé. C'est bien, les gens pourraient dire c'est le cliché du beau gosse qui sait se tenir, qui a un bichot et tout ça. La seule chose à laquelle ils pensent, c'est... Il aime les fruits. Il aime bouffer des fruits. Alors que ça pourrait être un cliché, genre à la Sébastiane, mais pas du tout. Voilà. Alors que Saïka, en vrai, quand vous regardez bien, il n'a pas la tenue d'un parfait majordome. Sa cravate est toujours desserrée, il se conduit comme une biatche, il mange tout le temps des fruits à n'importe quel moment. Oui, voilà, c'est ça, Boynix. Et en fait, c'est ça, je voulais trouver des moyens de montrer que Saïka était certes un Sylvanien haut placé, mais qui était un peu en mode bah les couilles, mon maître, il laisse un peu faire ce que je veux faire. Donc, le fait qu'il mange tout le temps des fruits, un produit de luxe quand même, la cravate desserrée, etc. On aime un perso qui a des défauts, mais pas des qualités. C'est pour ça qu'il faut éviter les Marissous. Oui, parce que c'est que des personnages qui ont des qualités. Qui sont même
parfait. Et c'est pas intéressant de suivre quelqu'un qui réussit tout. Mmh. Qui est aimé de tout le monde, qui est super puissant. C'est ou ça. Alors même la Dark Marisu ou le Dark Garisu, on ne le supporte pas non plus. C'est le gars qui a tout abandonné, quoi. Ah oui, le... Il est trop dark, il est trop sombre, il a un passé compliqué, pourtant tout le monde l'aime. Ouais, c'est ça. Va savoir pourquoi tout le monde tombe amoureux de ce genre de personnage. Oh oh, punaise. Alors là, je marque une pause parce que les Dark Marisu et les Dark Garisu, c'est mon... Je crois que c'est pire que les Marisu et les Garisu. Parce ah, que je ne supporte pas ça. Le Garisu, le Marisu, tu te dis, bon, c'est quelqu'un qui écrit et que, bah, il est... Enfin, c'est surtout les jeunes qui font ça. Son personnage réussit tout parce que lui aimerait se projeter dans ce personnage. C'est limite mignon, en fait. Par contre, le Dark Marisu et la Dark Marisu... Mais il les idolâtre, Régis, c'est ça. En fait, ces personnes... En fait, je trouve ça très malhonnête de faire des Dark Marisu ou des Dark Garisu parce que c'est des personnes, en fait, qui s'émancipent de toutes les lois, qui font absolument ce qu'ils veulent, et il y a une espèce de fantasme malsain là-dedans, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne seront jamais punis. Voilà. Et je trouve que c'est très malsain de faire des personnages sans comme ça. Sans remise en cause, en plus. Sans remise en cause. C'est-à-dire qu'ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent, ils s'en battent les couilles, ils ne prennent aucune leçon... Ils ne sont jamais remis à leur place et je trouve ça très malhonnête et très malsain. Et quand ils sont blessés, ils vont pas se faire recoudre, ils sont en mode c'est bon, je vais bien. Oui, voilà, c'est ça, je me recoudre tout seul, tu vois, non, ne m'approche pas. Passe-moi ton agrafeuse, je fais ça tout seul. Oh là là, il se recoudre tout seul, il est tellement voilà, badass, je veux c'est coucher avec. Mystérieux. Ah oui, il couche avec, ouvert et tout, avec les agrafeuses. Mmh. Hein. Karma Odini. Ça me dit rien, ça. Dans le cas où on bosse des duos, est-ce qu'il vaut mieux les bosser de manière indépendante ou dès le départ les travailler en parallèle? Alors c'est un autre sujet qu'on... Peut-être le prochain, pour les protagonistes-antagonistes, ouais. C'est un autre sujet. Parce que pour moi, si t'as deux personnages principaux, moi je suis pour quand même qu'il y ait un travail indépendant à chaque fois. Je pense que c'est mieux, je pense que c'est mieux. Je trouve ça dommage qu'un personnage soit dépendant d'un autre en fait. Je pense que c'est mieux qu'il y ait d'abord un traitement... Chacun de son côté, et ensuite une mise en parallèle. Parce que ils ne sont pas nés pour se rencontrer. Ils sont nés chacun de leur côté avec leur personnalité, et c'est leur histoire qui font qu'ils se retrouvent, on va c'est dire, ça. Dépendants l'un de l'autre. Mais par exemple, si tu veux imaginer que ces deux personnages vont être forcément affrontés l'un à l'autre ou s'entraider, tu peux directement réfléchir à faire des qualités ou des défauts qui se complètent. Tu peux partir là-dessus, mais il faut les traiter indépendamment. Ou des similitudes, mais pas utilisées de la même manière. Alors... Là, ils sont restés sur les Garisu et Marisu Dark. Mais antagoniste-protagoniste, ce sera un autre sujet. Pour vous montrer un petit peu les... Bah, c'est un sujet à part. Qui, puis on va faire notre petite documentation sur les antagonistes entre-temps. Surtout pour leur but et tout ce qui tourne autour. D'accord, merci Régis. Karma Odini, c'est ceux qui échappent à la punition, peu importe le mal qu'ils font. Bah ça, on ne veut pas. Prenez l'exemple de Death Note. Il fait le mal, mais il est puni. Et c'est ça qui nous intéresse. Sinon, tu transmets quoi comme message? C'est ça. Du genre, fais de la merde, tu t'en sortiras. Fais de la merde, il t'arrivera rien. Pour moi, c'est pas un souci que le personnage principal fasse des choses qui sont pas recommandables. Déjà, dans ce cas-là, tu mets au point un rating qui fait que tu t'adresses à des personnes qui ont moins 16 ans. Bon, seinen, quoi. Voilà, seinen, dans un premier temps. Et pour moi, il faut qu'il y ait quand même une opposition. Qu'on lui fasse quand même comprendre que là, il est hors la loi ou hors de l'éthique. Opposition, remise en question ou punition. Oui, voilà, c'est ça. Il faut pas qu'il s'en sorte, parce que c'est pas un bon message. Voilà, exactement. On n'aime pas les persos qui font ce qu'ils veulent sans que ça leur revienne dans la tronche un jour. Voilà. Voilà, je suis d'accord. Dark Marisu, Dark Garisu, c'est complètement l'opposé de la Marisu et de Garisu, mais dans tous les cas, en fait, il n'y a pas de remise en question. Voilà. Il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas d'évolution. Le retour du karma, c'est ça. Il le faut. Mais en tout cas, il faut une opposition. Il faut une opposition. Les gens peuvent pas être tous de son côté, c'est juste pas possible. C'est... Qu'il soit trop bon ou trop mauvais, hein. Voilà, oui d'ailleurs ça c'est intéressant, peu importe le personnage, tout le monde ne peut pas être de son côté, c'est pas possible. Il n'existe pas une personne qui est aimée de tout le monde. C'est pas possible, et mettez pas juste un pauvre antagoniste qui se promène là pour lui faire opposition. Hé, je ne t'aime pas, d'accord, voilà. Merci. C'est, ce qui est intéressant, ce serait même si dans son entourage, les gens qu'il fréquente, il y en a qui s'opposent. Ça peut être intéressant, ça peut donner de la consistance, sinon ça fait la star du lycée quoi.
Même la star du lycée n'est pas aimée de tout le monde. Bah, Harry Potter. Malgré lui, il est la star de Poudlard, hein, parce que bah, il est survivant. Et pourtant, dans chaque bouquin, tu trouveras toujours une personne qui s'oppose à lui. Bon, il y a Malfoy, mais Malfoy, c'est juste parce qu'il a eu le seum, parce qu'il va pas serrer la main dans le Poudlard Express, quoi. Mais... J'ai le seum. Ouais, il voilà. Il a pas serré la main. Je mais... l'aimais beaucoup. C'était mon idole. Et maintenant, je le hais. C'est trop ça. Mais tu trouveras toujours des personnes de Poudlard qui ne sont même pas des Serpentards, qui trouvent moyen de s'opposer à lui. La coupe de feu. Oui, ah, surtout la coupe de feu. Alors là, même les poufs souffrent, quoi. C'est des gros bâtards dedans, d'ailleurs. Je déteste le bully. Ouais. Et d'ailleurs, là, j'entends l'ordre du phénix, c'est dur, hein. Putain. Ouais, c'est vite ennuyant, un personnage tout lisse. L'étoile du matin de David Gemmell est un bon exemple de perso principal qui est un connard avec une opposition qui permet la remise en question. L'étoile du matin ? Je ne connais pas. Non, bah, j'ai noté. Il faut toujours que le problème du héros soit résolu en battant le méchant. Pas forcément en battant le méchant. C'est un procédé qui est très intéressant, mais ça peut être dans d'autres moments. En tout cas, il faut que le personnage, d'une manière ou d'une autre, se sente acculé, sans qu'en fait il est face à un défi, face à une confrontation. Pas forcément à un personnage, ça peut être une situation aussi. Et c'est là qu'il a son déclic. De toutes les manières, il y a souvent des histoires où le personnage résout son problème personnel avant d'aller combattre, on va dire, l'antagoniste, parce qu'il a réussi à déjà surmonter son problème. C'est ce qui le rend plus puissant, d'ailleurs. Et c'est ce qui lui permet de faire face à l'antagoniste, parce qu'il a déjà fait face à ses propres démons. D'accord, c'est ça. Mais parfait exemple, il y avait... c'était dans l'Ordre du Phénix, je crois. Oui. Harry, en fait, arrive à faire fuir, Voldemort, parce qu'il arrive à... Enfin, il lui met dans la gueule que lui, il n'a pas d'amis. Oui, voilà, alors que pendant tout l'Ordre du Phénix, il envoie chier ses potes parce qu'il en a marre de tout. Et une fois qu'il a compris que quoi qu'il arrive, ses potes seront toujours à ses côtés, jusqu'à le suivre, jusqu'au ministère, il comprend qu'il est plus fort que Voldemort. C'est ça, et en fait, Voldemort qui cherche à le posséder et rejeter. Et je trouve ça super, en fait. J'aime beaucoup le principe du héros qui arrive d'abord à combattre ses démons, puis qui arrive à combattre l'antagoniste qui n'a pas, lui, réussi à combattre ses démons. Alors, on va pas utiliser gentil et méchant, on va utiliser protagoniste et antagoniste. Parce qu'un antagoniste n'est pas forcément méchant. Oui, voilà, Régis, pareil. Pourquoi ? Eh ben, c'est très important. Il faut forcément deux camps opposés pour, en fait, faire confronter deux idées. Le thème que vous voulez défendre et le thème qui va s'opposer. Par exemple, un exemple à la con... Si vous voulez dire qu'on est tous égaux et que le racisme c'est de la merde, l'opposant va être par exemple raciste. C'est le meilleur exemple que j'ai, c'est Skyrim, où à un moment tu dois choisir ton camp entre les collabos et les racistes. Donc à un moment ou à un autre, un des camps devient protagoniste ou antagoniste selon ton point de vue. Mais en fait, au travers de ton personnage, de ton histoire, tu transmets un message. Et en fait, le camp opposé est... L'autre message, l'anti-message. Et en fait, en faisant confronter ces deux camps, tu fais gagner ton message et tu montres pourquoi ton message est plus puissant que le camp opposé. En fait, on dit souvent le bien sur le mal parce que c'est la victoire d'une idée sur son opposant. Bon, évidemment, faut défendre un truc qui quand même est éthique, quoi. Parce que si tu dis, ça y est, le racisme a battu les vilains bobos gauchistes. Ouais. Ouais, les collabos ont gagné contre ces racistes. Voilà, c'est ça. Alors, oui, mais non. Donc, il n'est pas forcément obligé d'y avoir un méchant. Au sens de, je suis le méchant, je m'habille tout en noir et oh là là. Mais il faut qu'il y ait une opposition, que le héros batte pour faire gagner l'idée que vous voulez véhiculer. Pour ceux qui ont vu le film Watchmen, je pense que c'est un très très bon exemple. Je vais pas spoiler, mais bon. Ah oui, on veut pas de méchant juste parce que c'est méchant, quoi. Ça, c'est pas intéressant. Parfois, le méchant a une raison louable d'être méchant, on va dire. Donc, l'antagoniste a une raison louable de faire passer son message. Donc, voilà, on en reparlera la semaine prochaine. Mais l'antagoniste peut avoir beaucoup de motivations. Ça peut être la vengeance, ça peut être juste le désir de faire le mal, ça peut être plein de choses. River. Oui, ça aussi. Ça peut être le même message, mais avec deux idées opposées. Et en fait, vous choisissez quelle est l'idée qui emporte sur l'autre. Oui, il peut y avoir des méthodes extrêmes et violentes, ou des méthodes... Bah, Détroit. Détroit Become Humans, oui. La libération des androïdes, il y a la révolution violente ou la révolution pacifique. Dans les deux cas, ton personnage est protagoniste.
Mais en fait, quoi qu'il en soit, le fait d'avoir plusieurs camps, faut confronter des idées. On va pas se mentir, de toute façon, souvent, les batailles, tout ça, ça part de ça. Mmh. Et là, en fait, c'est pareil avec vos camps. Pour la raison, le web du méchant, je pense l'exemple de Pitch Black dans les 5 légendes. C'est Croque-Mitaine, il fait des trucs méchants, mais en soi, tout ce qu'il veut, c'est qu'on croit. Oui, il veut exister. Oui, c'est vrai. Votre méchant, il peut avoir un but qui peut être... de son point de vue louable, mais ça reste purement égoïste. Mm. Ce que fait Pitch Black est égoïste et du coup, ils ne peuvent pas le laisser faire. Souvent, le défaut de l'antagoniste par rapport au protagoniste, c'est son orgueil. C'est souvent l'orgueil, d'ailleurs. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, le fait que Yep n'est pas forcément un méchant au sens humanisé, mais il faut qu'il y ait une force qui s'oppose au héros. Mm. Il faut que le héros puisse montrer à quel point le fait d'avoir eu son déclic le rend fort, et le fait que le message qu'on veut transmettre surplombe le message adverse. C'est le meilleur moyen, en fait, de montrer ce pourquoi on milite, ce en quoi on croit, etc., etc. Bref. Donc, pour revenir à la création de personnages, on était dans la création de personnages, mais là, plus dans la psychologie. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, c'est ça. Parce que si ça touche aussi la psychologie, c'est très bien. On est aussi là pour discuter de ça. Du moment qu'on ne mette pas en avant, encore une fois, le fil rouge, le background et tout ça. Oui, au pire, il y aura la rediff, Karma, t'en fais pas. J'avais souvenir que Regalia, à un moment, avait posé des questions par rapport au nom des personnages. Mm-hmm. En général, c'est ce que je donne à la fin, personnellement. Oui. Je cherche les significations, oui, souvent. Oui, pareil. Et un peu la consonance que je veux donner, donc par rapport à la consonance, je vais chercher chez les Amérindiens, ou chez les Russes, ou chez les Français même. Hein, donc. Bah en fait, j'ai choisi Salika parce que je voulais un prénom qui n'ait pas de genre, qui soit un peu féminin, masculin, et qui ait une consonance latine. Mm. Salika, ça veut dire le saule en langue latine. Donc voilà, en fait, faut chercher quelle consonance tu veux que ça ait, qu'est-ce que ça veut vouloir dire, si tu veux que ce soit très proche de son genre ou pas, etc., etc. Alors Dominique, c'est une autre histoire. Destiny, ça veut juste dire destinée, c'est tout. C'est juste Destiny avec un A en plus, c'est et tout. Et Dominique, c'est ma faute. Ouais. Et Dominique, c'est du gros n'importe quoi. On peut nommer sans vraiment réfléchir aussi. Tu peux, si t'as envie d'appeler un personnage Adrien, tu peux l'appeler Adrien. Par exemple, dans Mine, je voulais juste des noms français, donc j'ai mis Alex pour Alex, Sophie pour Sophie, ce genre de truc. Hein. Franchement, il y a deux genres. Il y a les personnes qui kiffent juste un prénom, qui ont envie de le donner, et il y a ceux qui veulent donner une signification. Moi, je sais que j'alterne entre les deux. Pour Silskars, pour Pavel, je voulais un prénom qui n'ait pas l'air d'un prénom, et le nom de famille ait l'air d'être le prénom. Donc Nicolas pour son nom de famille. Et Pavel, je voulais un truc qui le définit plus ou moins, ça veut dire petit. Alors, pas une question, mais un type de personnage que je trouve intéressant, un protagoniste très doué et bien réputé dans son domaine, mais dont les pires défauts n'arrêtent pas de lui causer du tort. Jack Peralta est génial comme personnage. Oui, d'ailleurs, c'est des personnages très appréciés en général, ça. C'est les rangs humains. Oui, c'est ça. En fait, voilà, c'est un excellent exemple de comment fuir un cliché. Il est excellent comme inspecteur. Il a une bonne perception, mémoire, voilà. Il capte absolument tout. Sauf que le premier épisode est un très bon exemple parce qu'il est tellement occupé à essayer de faire péter un câble à Holt que tous les indices qui montrent que Holt est gay, il les voit pas alors que c'est assez évident. Et en fait, c'est ça le défaut de Peralta, c'est qu'il est gamin, il passe son temps à faire mumuse. Il est fier. Il est fier mais as fuck, quoi. Oui, hein. Il déteste avoir tort et ça le rend génial. Il a toutes les clés en main pour être un excellent détective et en fait il laisse tout son côté immature et fier prendre le dessus. Ce qui fait que c'en est un personnage pas cliché. J'allais dire Sherlock, tu m'as retiré le nom de la bouche. Sherlock de la BBC, ça peut être un bon exemple aussi. Complètement fier aussi donc. C'est quoi le délire autour de Dominique? Alors. C'est le nom de la mascotte de Never Surrender et en fait, à cause de Dunkey, il s'appelle Dominique. Oui, en fait, le truc, c'est qu'il avait pas de nom au début et il a pas de genre et j'ai fait, en attendant qu'il ait un nom, on va l'appeler Dominique. Sauf que le problème, c'est qu'on l'a tellement appelé Dominique que j'ai pas réussi à lui donner un autre nom. Oui, surtout quand on a commencé à lui demander en dédicace avec le prénom Dominique. En fait, un jour, à Japan Expo, quelqu'un m'a demandé Dominique en dédicace et j'ai su que c'était foutu.
Les gens seraient déçus s'il avait un autre prénom maintenant. Voilà. On peut avoir une vague idée, mais comment on peut la préciser? Exemple, je veux un personnage lâche, mais utilise plusieurs formes de lâcheté. Comment en caser une qui colle avec le problème du perso? Est-ce qu'il est lâche face à des situations? Est-ce qu'il est lâche par rapport à ses propres problèmes? Est-ce qu'il est lâche quand il s'agit d'aller sur le terrain pour aider quelqu'un? Ouais, faut que tu précises quelle sorte de lâcheté et comment ça se ressent au quotidien sur ton personnage. Pour personnage lâche, j'ai Akmar, mais lui, il est plus lâche par rapport à sa situation, par exemple, avec Jill. Il est lâche en couple, par exemple. Bah, Destiny est lâche par rapport à son passé. Elle fuit tellement son passé qu'elle a fini par ne plus réussir à l'affronter. Bah, un exemple de lâcheté, ça peut être Destiny, je vais pas plus creuser que ça, mais bon, au point où on en est de NS, on voit très bien que Destiny a un gros blocage par rapport à son passé, et elle préfère encore porter son bandage qui cache sa cicatrice, alors que les Sylvaniens avec des cicatrices, bah c'est monnaie commune, plutôt que de l'avoir au quotidien et de devoir assumer ce qui lui arrivait, donc elle préfère encore le cacher. Donc, alors que ça mystifie complètement le truc, et vu qu'elle intrigue les gens, elle les attire encore plus. Voilà, bah la Sylvanienne qui veut retirer son bandage dans le chapitre 1. En soi, on aurait vu une brûlure, c'est rien de fifou une brûlure. Généralement, ce défaut a tendance à intriguer les gens, donc en plus à le rendre plus visible. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je pense qu'il faut en arriver à voir quel genre de lâcheté et comment la montrer au quotidien sur son personnage. Par un tic, par un truc qu'il porte, etc. D'ailleurs, le nom peut servir sur certains aspects pour la façon dont on voit les personnages parfois, non? Un exemple assez répandu, c'est appeler un personnage horriblement banal, le Smith, pour enfoncer encore plus la normalité du personnage. Il y a un excellent exemple comme ça, c'est dans Bleach. Il y a un personnage qui s'appelle Anataro, et l'auteur a dit... Bon, Bleach, c'est pas un très bon manga, désolé s'il y en a qui aiment Bleach. Mais là, l'auteur a fait un truc que j'ai trouvé pertinent, c'est qu'il a appelé son personnage Anataro, alors que Ana est le personnage féminin le plus donné au Japon, et Taro, le prénom... masculin le plus donné au Japon, et en fait quand il donne son prénom, le personnage sont en mode sérieusement tu t'appelles comme ça, pour dire à quel point ce personnage est banal et sans relief. Donc ça peut être intéressant de jouer sur le prénom pour ça. Surexagérer la normalité d'un personnage, voire même le côté complètement plat, il y a Elshid 21 avec un personnage qui est tellement banal que les gens le voient même plus quand il est là, même quand il fait une prouesse sur le terrain. Et ça devient sa force, c'est génial. C'est ça. Ça c'est génial parce que le personnage n'a pas de relief, mais ils ont tellement joué là-dessus que ça en devient drôle. Comment savoir si notre personnage est bon? Encore une fois, il faut en parler. Oui, bah on revient à ce que je vous ai dit depuis le début de Motif ta plume, bêta lecteur. Le bêta lecteur c'est pas seulement pour l'univers, c'est aussi pour les personnages, pour les relations, pour la psychologie, c'est pour tout. Si quelqu'un a envie de poser des questions sur votre personnage, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez des astuces pour nuancer un personnage et le rendre plus humain, que ce soit des manies, etc.? Bah t'as plus ou moins répondu à la question, parce que oui, tu peux lui donner des petites phobies, des manies, est-ce qu'il met... Des tics de langage aussi. Des tics de langage, on disait ça pour déconner avec Duncan tout à l'heure, mais est-ce qu'il met les céréales en premier ou le lait en premier? Voilà. L'exercice du restaurant, les gens. Le restaurant, l'exercice on en avait parlé, du restaurant. Je sais pas si c'était dans le live qu'on a oublié ou le live... Je crois que c'était le live qu'on a oublié. Alors, étant donné que c'est la première fois que j'ai parlé de cet exercice en étant enregistré, je vais le réexpliquer depuis le début. Vous voulez vérifier que votre osset a des réactions que vous imaginez comme ça, qui coulent. Ben, en fait, imaginez votre personnage assis au restaurant. Il a commandé un truc et on lui apporte un truc qui a rien à voir avec sa commande. Et qu'il n'aime pas. Et qu'il n'aime pas, très important, parce qu'au pire, s'il l'aime, il va le bouffer, il s'en fout. Comment il réagit? Est-ce qu'il appelle le serveur? Est-ce qu'il renvoie le truc en cuisine? Est-ce qu'il va en cuisine pour râler? Est-ce qu'il le mange quand même? Est-ce qu'il le mange quand même pour faire plaisir? Est-ce qu'il le mange pour faire plaisir, mais qu'il court pas aux toilettes pour vomir parce qu'il est allergique? Et qu'il le répand sur la moquette? Est-ce qu'il fait un scandale? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il se roule par terre pour faire un caprice? Voilà. Comment réagit votre personnage à cette situation? Vous devez pouvoir répondre du tac au tac. Du coup, vous préférez un bêta lecteur pour tout votre scénar, un univers, puis personnage, et enfin histoire? D'abord pour univers, puis personnage, puis scénario. Moi, personnellement, quand j'ai fait Never Surrender, j'ai des bêta lecteurs pour toutes ces étapes. Bah, même, en fait, le truc, c'est que, exemple à la con, hier, j'écrivais Soren, je suis allé voir Krisa en lui demandant, à ton avis, comment machin réagirait sachant que ça, ça, ça? En tant que lecteur, comment tu la verrais réagir? C'est pareil, parfois j'ai des doutes sur Never Surrender. Bon, on agit beaucoup comme ça parce qu'on est randonneur, donc on se remet souvent en question, quitte à choisir un autre chemin. Et parfois on va se voir et on va se dire, putain, j'ai un gros doute, en fait, j'ai l'impression que ça, c'est incohérent. Il explique la situation et on peut donner, nous en tant que bêta, des théories sur la manière de réagir, la manière de voir les choses.
prendre un peu de recul, parce qu'en fait, nous, quand on écrit, on a tellement la tête dans le guidon que parfois, on laisse passer des incohérences, mais d'une taille colossale. Mais c'est normal, parce qu'on a tout le temps la tête dedans. Donc les bêta-lecteurs, qui, eux, ont plus de recul, ont plus l'occasion de souffler par rapport à votre projet, vont pouvoir vous dire posément, mais attends, il y a... T'avais pas dit qu'il y avait ça, mais ça contredit ça. Ou alors, ton personnage, j'ai cru comprendre qu'il était comme ça, est-ce que ce serait pas plus logique qu'il réagisse comme ça? Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, je crois qu'à chaque live, je vais en reparler, mais c'est primordial. Bêta lecteur. Et juste, il y a un live, n'importe quoi, bien sûr, vous êtes sur le live. Il y a un Discord de Motif Ta Plume qui est officieux, on s'en occupe pas, mais où les gens se regroupent pour parler de leur projet, pour résumer les lives, pour se proposer comme bêta lecteur ou en chercher. Et honnêtement, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir de bêta lecteur dans votre entourage, ou que vous avez peur que l'entourage vous dise des choses pour vous faire plaisir, allez là-bas, parce que honnêtement, j'y fais un tour de temps en temps et c'est vraiment très bon enfant et sérieux comme ambiance. Est-ce que c'est stupide d'être toujours super stressé par rapport à ces personnages, à ces univers, même si nos bêta lecteurs pensent unanimement que c'est bon? Non, c'est normal d'être stressé. Je trouve pas que ce soit un problème. Ça dépend. Ça, c'est une histoire de caractère d'auteur. Il y a des personnes qui prennent beaucoup de distance par rapport à l'univers, qui voient ça comme un travail, et d'autres qui sont constamment stressés parce qu'ils se posent 3000 questions. Comment je vais gérer ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on réagirait comme ça? Est-ce que c'est pas un peu cliché? Ce genre de choses. C'est normal de se poser des questions. Faut pas non plus que ça nous empoisonne. Parce que, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, quand on se pose trop de questions, parfois on peut se faire bouffer. Par exemple, tellement pas vouloir faire un personnage cliché qu'on fait un personnage incohérent. Mais c'est là que les bêta lecteurs peuvent être bien, pas pour te rassurer, mais pour te dire si t'es sur le bon chemin. Et par exemple, si un personnage a un traumatisme, mais qui roule dessus pendant l'histoire, c'est pas logique. Ouais, voilà. En mode, ah, j'ai vécu ça, mais pas les couilles, c'était il y a longtemps. Par exemple, mine de rien, le traumatisme, par exemple, de l'abus sexuel, si quelqu'un, en fait, ne réagit pas quand les gens le touchent, ou lui font des avances sexuelles, ou alors, en fait, vit sa vie sans l'avoir jamais... réussir à passer outre le traumatisme, c'est pas logique. Donc, quand c'est des choses que vous n'avez pas connues, et on laisse pas pour vous, parce que merde quoi, c'est un autre sujet, mais voilà, renseignez-vous, c'est... la chaîne de psychiatrie. Attends, normalement c'est les petits là. Dunkey m'a... Salut Angie. Dunkey m'a montré une chaîne de psychiatrie qui est... Ouais, c'est les Psylab. Qui est excellente. C'est Psylab. Je vais mettre le lien. Comme psychiatrie et laboratoire. Et en fait, ils traitent de psychiatrie et ils citent beaucoup de pop culture. Ils citent... ils ont entre autres cité Hannibal. Ils parlent de la... du coup, là, je le vois, du suicide, de la schizophrénie, de la dépression et plein de syndromes. Même, je me suis renseigné sur les PTS, donc les syndromes post-traumatiques, pour savoir comment ça se passe au niveau des intrusions, des cauchemars et ce genre de trucs. Bah pareil, moi je sais que j'ai deux personnages dans NS qui ont des syndromes post-traumatiques, pour des raisons différentes chacun, et n'ayant pas connu de syndrome post-traumatique aussi puissant qu'eux, c'était dur pour moi de me mettre à leur place. Et en fait, en voyant les vidéos, j'ai vu que par chance mon écriture était juste. Puis par exemple, hier j'écrivais et j'ai commencé à me renseigner sur les syndromes de sevrage et ce genre de conneries, parce que je savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Psylab, c'est vraiment génial. Donc accessible. Les chaînes YouTube, ça peut être une bonne documentation. Évidemment, regardez si les personnes savent parler de leur sujet ou s'ils mettent leurs sources, etc. Parce que y en a certains. Mais alors, Psylab, franchement, c'est une qualité. Je suis en licence de psycho, je suis ultra soulagé que les gens se renseignent. Bah oui, il faut. Et puis d'ailleurs, si t'es en licence de psycho, tu peux être bêta lecteur, par exemple. Oui. Alors oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Dunkey. Je vais en parler à chaque live de ça aussi. Si vous découvrez vos bêta lecteurs... Ok, je note. Si vous découvrez vos bêta lecteurs ont des spécialités, moi par exemple, un de mes bêta lecteurs est prof d'histoire-géographie, vous allez entendre parler à chaque live, c'est génial parce qu'il vous permet de vous dire si vous êtes juste ou pas. Pareil, si vous connaissez des gens qui sont en études de psycho, moi j'ai une amie qui va commencer ses études de psychiatrie, je compte bien la harceler de questions, hein. Mais si vous avez un spécialiste, ce sera votre bêta lecteur sur cette spécialité, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que nous, vu qu'on n'a pas fait d'année de fac, moi je suis directement allée en école de manga. Le seul truc où je m'y connais un minimum, c'est en stylisme, parce que j'ai fait une année de stylisme, ce qui est assez utile pour faire les chara design. Moi c'est en graphisme, mais par contre ça n'a rien à voir. quand même c'est utile que ce soit graphiste. Hein. Mais en fait,
En général, on a tous fait des études différentes et en fait, on a tous un savoir différent. Également, j'ai une amie qui a fait une licence d'anglais et je lui ai posé plein de questions sur les colonisations qui ont donné les États-Unis d'Amérique. Et en fait, le fait de pouvoir appeler les connaissances de ces gens nous permet d'être plus juste dans ce qu'on écrit. Si on souffre d'un trouble nous-mêmes, est-il pertinent de se baser aussi un peu sur notre propre expérience? Bien sûr. Ouais. Si on a un personnage qui a quelque chose de similaire à nous, bien sûr, bien sûr. Par exemple, si j'ai plus ou moins réussi à écrire un effet de manque, c'est parce que j'ai vécu un sevrage assez coriace. Et sachant ce que ça fait, j'ai pu l'écrire. Il y a des personnes qui vont sur les rings se faire tabasser à coups de gants de boxe pour savoir ce que ça fait de se faire tabasser la gueule. C'est Voilà. pour... Attends. C'est pour ce Bah. moment-là. Pour ce C'est. moment-là. Oui. Y a le dessinateur et les scénaristes qui sont allés se faire tabasser sur un ring. Très bon exemple de personne lâche qui réussit à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il a fait, Tim Burton? Bah, Tim Burton, il est plus poète que scénariste, donc c'est encore autre chose. Bah, pour prendre mon exemple, moi, par exemple, mon père pratique la chasse depuis des années. Et en fait, pour savoir ce que c'est d'utiliser une arme à feu, je ne vais pas chasser, il en est hors de question, mais je lui ai demandé si à l'occasion, il pourrait m'apprendre à tirer au fusil sur des objets. Une canette, par exemple. Ouais, des canettes. Bon, je le ferai pas en septembre parce qu'on n'utilisera pas de fusil hors de la saison de chasse, c'est interdit. Mais du coup, c'est pour savoir ce que ça fait de tirer à balles réelles. Avec le recul et tout. Ouais, voilà, parce que je fais tirer les personnages d'Oxalis en mode YOLO, bon ensuite ils sont chevronnés, mais je voudrais quand même savoir ce que ça fait. Pour un débutant, imagine Destiny utilise une arme ou une connerie Ouais, du genre. voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est que des chevronnés, donc ça va, mais je veux vraiment savoir ce que ça fait. Ça tire à balles réelles dans le chat. La fille qui a pas compris, je vais pas tirer sur un chat. Une BD qui s'appelle PTSD, qui parle d'une fille ayant fait l'armée, maintenant est à la rue et doit survivre dans les angoisses et les gangs de rue globalement. C'est tellement bien foutu et graphiquement au top. Ah, c'est intéressant. Non, mais je compte pas, par principe, je compte pas chasser. J'ai rien contre la chasse, mais par principe, je le ferai pas. Et mon père maîtrise, donc je sais qu'il sera bien conseillé. Destiny a même pas eu la chance de vraiment tirer dans les derniers chapitres, non? Mais de toute façon, Destiny ne sera jamais spécialisée en armes à feu. Elle est braquée. Elle a braqué Viggo dans le dernier chapitre, mais c'est tout. Désolé, ça me revient en tête la blague que j'avais faite sur la Oui! page. Oui, mais on la dira pas, on la dira pas. Ça, Attends, c'est faut une que je prime. regarde. Non, t'arrêtes ça tout de Oui, suite! j'arrête ça, j'arrête ça. Non, mais t'as un souci. Bon. Oui, elle tient son arme n'importe comment, hein, Destiny. Non, c'est une private joke. Non, c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est quand elle fait ses planches, je suis derrière et je commande tout ce qu'elle fait. Donc, je suis quelqu'un d'assez chiant. Alors, le pire, c'est le Sheridan qui... Ah oui, c'est vrai, Viggo, C'est un sbando, oui. c'est ton sbando. Putain, Viggo, je crois que c'est le perso sur lequel on dit le plus de conneries. Qu'on imagine beaucoup de dialogues. Ah oui, En même temps, d'ailleurs... je fais beaucoup de blagues sur les tubs, donc. Alors, je vais faire une transition sur les conneries qu'on dit. L'air de rien, dire des blagues sur vos personnages, ça les humanise. Moi, c'est con, mais Viggo, je le cerne mieux depuis que je me dis que c'est le genre de personne qui adore faire des blagues en dessinant des pénis géants sur les feuilles de ses potes, quoi. Sur le rapport d'Oxalis, il faut Oui, un voilà. pénis. Genre, il est l'assistant de Erwan qui est un chef d'escouade, et Viggo serait le genre de personne à arriver derrière Erwan et à dessiner un énorme pénis sur la feuille. Et c'est con, mais depuis qu'on a eu cette conversation, eh ben, ça m'a montré quel genre de personnalité il a. Je me suis dit, putain, mais s'il est du genre à foutre des dessins de pénis sur des papiers officiels, c'est qu'il n'en a vraiment strictement rien à foutre, ce gars. Ouais, voilà, par exemple, est-ce que votre personnage aime faire des mèmes, des trucs comme ça? Hashtag cosplay for Vigo. Si tu veux faire des dreads, ouais. Viggo milite en dessinant des bites dans les rues de la ville. Oui, ce serait le genre de gars si la mission d'Oxalis se passe sans souci et qu'ils sont sans danger, ils seraient capables de dessiner un pénis À géant. chaque fois que je vois une case avec Google, j'essaie d'imaginer les dialogues internes qu'il a, donc. Oui, voilà, c'est Surtout avec le ça. PQ, hein. J'ai un truc avec le PQ. Oui, voilà. Donc c'est con, mais à force de faire des blagues comme ça, c'est un détail, mais ça m'a vraiment permis de cerner Viggo. Maintenant, je ne pourrai plus dissocier Viggo aux blagues de bite. Parfait. Bah, comme Salika Bah, avec le fruit. en fait, Salika avec le fruit, c'est un autre excellent exemple. À la base, je représentais Salika avec un fruit parce qu'il donne un fruit à Destiny dans le chapitre 2. C'était juste pour ça. Et sauf que
Déjà, comme je vous ai dit, le fruit, c'est un produit de luxe dans la région où Essaïka est la spécialité. Et au final, je me suis dit, ça lui va tellement bien vis-à-vis de sa nonchalance et de je m'en bats les couilles de l'étiquette alors que je suis haut placée dans la société, que c'est devenu récurrent, alors qu'à la base, c'était juste une blague. Mmh. Essaïka qui bouffe tout le temps des fruits où qu'il soit. Donc, en fait, c'est vraiment des petits détails. C'est des détails qui rendent votre personnage attachant. C'est ça. J'avais des questions de comment humaniser votre personnage, mais c'est vraiment sur des détails comme ça. Sa manière de parler, ses tics. Est-ce qu'il est du genre à rentrer dans une pièce et pas savoir pourquoi il est là parce qu'il a oublié il y a quelques instants? Voilà, c'est ça. Ah bah tant mieux, Kashi. De toutes les manières, si vous arrivez à dessiner, écrire votre univers, écrire votre personnage pendant le live, c'est qu'on a réussi, donc. Donc voilà. Et sinon, c'est qu'on est nul en fait. Je savais. El famoso free. Ah sinon j'ai vu quelqu'un à un moment qui a dit, c'est sûrement moi qui ai demandé Dominique, mais t'en fais pas, beaucoup de personnes commencent à me demander Dominique, hein. Mais non, vous êtes pas nul. Arrête. Alors, d'autres questions? Donc on y est, hein, on est parti. Y'a Peach qui fait le dodo. Ouais, c'est normal, ils ont vu une mouche. Mais du coup elle attend. Pigeon. Bon, elle s'endort. Bah voilà, nickel, écrivez sur vos persos en même temps. Voilà, donc pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, dans un premier temps, demandez-vous quel genre de personnage vous voulez écrire. C'est con, mais vous pouvez partir de l'âge que vous voulez lui donner, sa nationalité, etc. D'ailleurs, quand on préparait nos personnages à l'école, on avait trois catégories. La catégorie où on mettait la manière dont il est appelé, donc soit son prénom, soit son diminutif, soit son nom de famille, soit son pseudo, le nom sous lequel tout le monde le connaît. Ça peut être son pseudo récurrent par exemple. Et pour vous, vous pouvez noter son vrai nom, etc. Mais... voilà, William, tout le monde l'appelle Bill. Voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre dans un coin, son vrai nom, c'est William. Ou s'il a un pseudo, mettre quelque part son véritable nom. Ou par exemple, si c'est un personnage transgenre, vous pouvez dire c'était quoi son dead name. Etc, etc. Dans un deuxième temps, il y a tout ce qui est données, que je dirais données évidentes. En fait, c'est les données qu'on peut voir sur son passeport s'il y en a un. Donc la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, son âge, sa date de naissance, sa nationalité, sa taille, son poids. Et ensuite, il y a le caractère. Et là, il y a la méthode de... on choisit quel défaut on veut traiter à fond, ce défaut qu'il va devoir régler, et on remonte jusqu'à se dire comment ce défaut se manifeste au quotidien. Est-ce que c'est à travers une manière de parler, une manière de s'habiller, une attitude, etc. Ouais, est-ce qu'il pète des crises de colère pour rien? Est-ce qu'il évite des sujets? Est-ce qu'il est sensible à certains mots, à certains actes? Enfin, des conneries dans le genre. Un petit point sur les Marissous. Encore ? Mais vous adorez entendre parler des Marissous. Et, pardon. Et la musique est trop cool. Fable 3, OST. Fable 3. Niveau pratique, vous avez des conseils d'organisation, de mise en page, etc. pour l'écriture des persos? Moi non. Bah, en fait, ce que je viens de dire, donc, d'abord une partie avec l'appellatif du personnage, une deuxième partie qui, on va appeler la partie passeport, donc avec... l'âge, la date de naissance, la nationalité, ça peut être la nationalité dans le monde que tu as créé si c'est pas notre monde, etc, etc. Puis le trait de caractère. En fait tu peux d'abord mettre le trait de caractère que tu veux traiter et comment ça se ressent chez lui au quotidien, et après tu peux mettre les autres traits de caractère principaux. Alors, pensez-vous que c'est également un problème de douter de comment on écrit les personnages? Bon, comme on dit encore une fois, que si ça touche un traumatisme, une manière de penser, tout ça que tu ne connais pas, oui, c'est normal de douter. Et se dire non, il pourrait être plus comme ça, ou ça peut être que ça, c'est pas bien, tout ça, blabla. Je connais certains de mes amis qui ont une très bonne histoire, encore une fois, l'histoire, on s'en fout. Et oui. Les personnages, leur problème, c'est qu'ils pensent toujours que ce n'est pas assez bien. C'est compliqué, encore une fois, c'est une question de confiance en toi. Mais dans l'écriture d'un personnage, mets de côté l'histoire pour commencer. Oui. Je rappelle ce que j'ai dit en début de live, étant donné que beaucoup de personnes sont arrivées entre temps, on ne va pas parler de background de personnage, ça touche au scénario. Est-ce que j'ai un lien d'exemple de fiche perso assez complète? Est-ce que je peux le mettre dans le chat? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis pas une grande fan des fiches perso, mais ça reste intéressant. Bah, pour moi, le meilleur moyen de décrire un personnage, c'est de le mettre en situation. Oui, c'est ça, l'exemple du restaurant. Je vais vous donner... Je sais qu'il y en a sur le Discord qui font des petits exercices, donc je vais vous en conseiller deux. Le restaurant, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, votre personnage qui arrive au restaurant,
On lui donne un plat qui n'est pas le sien, en plus un plat qu'il n'aime pas, comment il réagit? Et un autre test, est-ce que tout le monde connaît le test du MBTI ici? Ah, je vais chercher les 16 personnalités. C'est un test évidemment à faire quand vous avez l'impression de connaître votre personnage. Oui, pas avant, sinon vous êtes paumé. Je vois plus le chat. Désolé. Est-ce que c'est mieux? Eh ben... Je le trouve pas accurate, et pourtant il l'est. Il l'est. Il l'est. C'est le test le plus accurate qui existe. Ça dépend pas des fois, en fait, faut le faire en toute honnêteté. Ce test a été traité par nombre de sociologues, de psychiatres et de psychologues. Si vous arrivez à avoir toujours le même, la même personnalité par rapport aux différents tests, parce qu'il existe plusieurs sites, c'est que votre personnage est bon et cohérent. Alors oui, en fait le MBTI, il faut savoir que j'ai fait le MBTI de tous les personnages principaux de NS. En fait, quand vous sentez que vous êtes bien par rapport à votre personnage, que vous commencez à le sentir et qu'il a passé le test du resto, faites le test du MBTI. Et en fait, si ce que vous lisez n'est pas accurate à ce que vous avez pensé, c'est qu'il y a un petit souci. Ou alors, si tous les personnages que vous avez fait ont le même MBTI, c'est que vous ne vous diversifiez pas dans ce que vous écrivez. Oui, je l'ai fait pour Akmar et Soren, effectivement. Ils ont des personnalités compatibles aussi. Bah, moi j'ai une grosse surprise en faisant des BTI de personnages de NS, je révélerai pas ça ici, mais ça m'a fait comprendre que certains avaient des personnalités plus proches qu'on le pensait, c'est juste que leur personnalité, ils les exprimaient différemment. Et ce qui est intéressant avec le MBTI, en fait, c'est que ça se base pas sur des extrêmes. Y a des subtilités, il peut être plus ou moins quelque chose sans être totalement quelque chose. Kashi, c'est normal que le MBTI change, les gens changent. Bon, moi je reste INTP quoi qu'il arrive, hein, depuis toujours. Le personnage concret doit pouvoir intégrer n'importe quelle histoire et avoir un background qui s'adapte à n'importe quelle histoire. C'est pour ça que le background ne se crée qu'au moment de l'histoire. Ça fait que dans n'importe quelle histoire où tu peux foutre ton personnage, il aura toujours la même personnalité. Et il faut que tu travailles cette base de personnage. Donc voilà, si pendant le MBTI, il y a trop de questions sur lesquelles vous galérez, bon, il y a certaines questions où il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir, parce que c'est pas forcément évident, c'est que vous connaissez pas encore assez bien votre personnage et qu'il vaut mieux retourner à la phase d'écriture. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tous vos personnages ont le même type de MBTI, c'est que vous avez tendance à trop souvent écrire les mêmes choses. Le micro est là. Ah oui, c'est vrai. Vos personnages doivent être foncièrement différents les uns des autres. Et même, bon, il y a certains personnages qui ont forcément le même BTI et qui peuvent le vivre de manière différente. Ça, c'est pour les personnages secondaires, je pense. Mélina. Le MBTI, Régis, c'est un test psychologique trouvable sur un site qui permet de voir quel type de personnalité j'ai on a. J'ai mis le lien dans le chat. Ensuite, le meilleur moyen d'avoir son MBTI le plus précisément possible, c'est de prendre rendez-vous avec un professionnel, mais allonger le friche, quoi. Combien de temps sur l'écriture d'un personnage? Je sais pas si vous avez déjà répondu, mais comment vous faites-vous au début? Ah, je ne sais pas, moi. Je sais pas du tout, en fait. Je sais pas comment un personnage naît dans ma tête. On va dire que, comme toujours, je pars d'une création d'univers. D'un côté, je peux regarder si j'ai déjà des personnages qui sont sans abri, si j'ai des SDF. Oui, c'est ça. Par exemple, quand j'étais jeune, j'ai créé plein d'OC. Ils sont tous dans Remaulus, mais j'ai créé plein d'OC. Comme tout le monde, je voulais un personnage badass, donc je serais un personnage badass. Et au fur et à mesure, en fait, il a gagné en profondeur. Vous pouvez partir d'un Marisu, d'un Garisu que vous avez fait quand vous étiez jeune, d'un personnage de RP. Mais Siani était une Dark Marisu à la base. Voilà. D'un personnage que vous avez créé dans les Sims, si vous aimez bien le design ou des conneries dans le genre. Ça peut être tiré de n'importe quoi, même d'un OC que vous avez créé pour une fanfiction à la con. Bah ouais. Et vous dire, putain, j'aime bien le design, putain, j'aime bien sa personnalité. Ce genre de truc. Voilà. Et vous dites, bah maintenant que j'ai appris certaines choses, je vais le travailler de manière un peu plus pro. Par exemple, pour Arcadie que j'écris en ce moment, je me suis dit, putain, j'ai besoin d'un personnage qui a, en fait, qui est rejeté racialement. Donc, par rapport à ça, j'ai créé un personnage. Vous pouvez apprendre à typer quelqu'un vous-même aussi, c'est possible. La chaîne de Pierrick, il y a en français. Ensuite, personnellement, j'ai pas besoin d'aide pour créer un personnage. Généralement, il pop assez bien dans ma tête. Pour ça, ensuite, j'ai besoin d'aide pour savoir s'il est
comment dire, logique, psychologiquement. Surtout par rapport aux traumatismes, aux addictions, ce genre de trucs. C'est possible de le faire à l'envers, genre de se dire, pour servir l'histoire, j'ai besoin d'un ENTJ, donc je vais faire un ENTJ. Comme je l'ai dit, ça marche pour les secondaires ou les tertiaires. Ouais. Mais encore une fois, on part d'un personnage secondaire qu'on veut créer pour un thème en particulier. Ouais, c'est ça. Les personnages secondaires, en général, c'est des personnages qui représentent une idée ou un rôle auprès du personnage, sans tomber dans le personnage fonction. Et aussi, un truc que je déconseille, c'est de faire ce que j'appelle les personnages panneaux. Donc les personnages qui ont fonction que de défendre une idée, de faire passer un message, etc. L'exemple qui, pour moi, parle le plus, ce sera l'exemple d'un personnage homosexuel qui ne défend que le fait qu'il va être accepté en tant qu'homosexuel, mais qui ne transmette que ça. Il n'a pas d'autre personnalité, c'est juste une personne homosexuelle. Et en fait, ce type de personnage qui ne représente que le message qu'ils ont, bah, ça peut vite devenir cliché. Alors, vous pensez que c'est intéressant de faire ce personnage tout aussi profond que le protagoniste? Bah oui. Oui. Juste, t'auras pas le temps de tous les développer autant que le protagoniste. Voilà, bah, comme on disait, le protagoniste, enfin, le personnage principal, disons, parce que ça peut être un anti-héros et un antagoniste, ouais. Hein, on s'en tape, a, en plus de son problème personnel, doit régler le problème de l'histoire, disons. Et ton personnage secondaire n'aura pas ça à faire. Voilà. S'il a l'occasion de le faire en arrière-plan ou dans un spin-off, bah c'est cool, tant mieux pour lui. Oui, voilà, t'as besoin d'un chapitre pour remplir ton tome, tu fais un personnage, enfin tu fais un chapitre bonus, ce genre de conneries. Par exemple, dans les Reliques de la Mort, Ron qui règle son problème de confiance en lui. Et il était temps. mais Ron n'était pas obligé de régler son problème au cours de HP, c'était Harry qui devait régler son problème. On peut voir plus tard qu'il a réglé son problème ou des conneries dans le genre. Vous préférez écrire un perso avant l'histoire ou inversement? Quand il s'agit du personnage principal, c'est obligatoirement avant l'histoire. Quand il s'agit d'un personnage secondaire, ça peut venir pendant l'histoire, c'est pas un souci. Mais le personnage principal, la question, elle se pose même pas, c'est avant l'histoire. Vous pouvez pas commencer votre histoire si la vedette, elle est pas là. Vous savez de quoi vous voulez parler, c'est pas le souci. Vous avez votre univers, c'est très bien, vous savez dans quoi il va évoluer. Mais il faut que votre personnage soit, encore une fois, un onglet à part. Oui, le problème du personnage panneau, effectivement, c'est qu'il donne une mauvaise image, cliché, très cliché, généralement, de ce qu'il représente. Donc, si vous voulez faire passer quelque chose au travers d'un personnage, c'est bien, il faut le faire, mais donner de la consistance au personnage, qu'il ne soit pas juste un personnage qui transmette un message, parce que il risque d'être antipathique malgré lui. Et c'est con, mais les personnes qui auraient voulu s'identifier par rapport à ça ne vont pas s'identifier parce qu'ils vont se dire « je suis désolé, mais moi, je suis pas comme ça ». C'est plus ou moins le principe du queerbaiting, je pense, pour le domaine LGBT. Ouais, voilà. Foutre un personnage LGBT sans consistance et profondeur juste pour faire plaisir à la peuplade et remplir les quotas, c'est n'importe quoi. Voilà, là j'ai cité le principe des LGBT parce que c'est le plus évident. Mais ça peut être les personnages noirs ou asiatiques, en tout cas racisés, comme on dit, ou alors avec une ethnie principale qui ne représente que cette ethnie. Ça fait qu'ils n'ont pas de profondeur, de personnalité ou d'enjeu. Et c'est nul, c'est juste nul. Donc voilà, je comprends parfaitement que les gens veulent faire de la diversité, c'est même super bien, mais... Faire de la diversité pour la diversité... Ça c'est non, ça c'est juste non. Oui. Alors par exemple, si vous créez un personnage en disant « Ouais, j'aimerais bien qu'il règle son problème de confiance en lui, etc. » Et là tu dis « Ah mais son problème de confiance en lui pourrait venir du fait qu'il est mis à part parce qu'il est homosexuel. » Et là c'est intéressant. Alors que bon, il peut se faire des films tout seul, qu'il se met à part tout seul, on ne te voit plus. Oui, je sais. Mais je suis là. Un personnage panneau risque plutôt de donner une mauvaise image. Oui, tu l'as lu, ouais. Ah, je crois que c'est fini, je vais mettre une autre musique. Non, t'as fait plus deux. Ouais, Interstellar, c'est bien. On attend vos questions. Bon, t'as pas sinon un thème que tu veux aborder? Bah, l'air de rien, on en a abordé pas mal depuis tout à l'heure. Hein. Je veux dire, sur tes petites fiches. Bah, en fait, mes fiches depuis tout à l'heure, elles y passent. Donc, ça s'est fait, effectivement. Bah, ouais. Bah, donc, si vous avez des questions qui vous popent dans la tête. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc, est-ce que vous rencontrez des problèmes quand vous écrivez un personnage, quelque chose qui vous coince ou ce genre de choses? Ah.
Bon, je vous laisse réfléchir. Moi, c'est ma pause toilette. Ok. Laisse-moi seul. Oui. Quand vous sentez-vous satisfait d'un personnage, dans le sens où vous vous dites qu'il est bon et qu'il irait bien dans telle et telle histoire? Il n'est que 20h, oui. J'ai noté la question qu'il y a où elle disparaît, parce que vous avez vu qu'elle disparaît du truc, pour que Chrysalide puisse y répondre aussi. Je vais éviter d'y répondre avant elle. C'est pas mon émission à la base, hein. Moi je suis là pour faire la potiche. Risa, oui. T'as des questions? J'arrive. Meilleur collaborateur du monde, 10 sur 10. Ouais, je suis vite fait. Je peux revenir, hein, mais je me lave pas les mains dans ce cas. Un peu d'hygiène. Et le chat. Et le chat. Tu peux aller pisser maintenant? Non. Allez, casse-toi. Dis bonjour, Peach. Alors, tu vas lire les questions avec moi, toi? Oui, chat. Comment vous sentez-vous satisfait d'un personnage? Dans le sens où vous dites qu'il est bon et irait bien dans telle ou telle histoire. Alors, c'est une bonne question parce qu'il faut savoir que j'ai pris goût au projet Never Surrender quand j'ai créé Destiny. En fait, moi j'ai une satisfaction à partir du moment où je crée un univers et que je parviens à créer un personnage où je me dis que ce personnage va pouvoir me permettre de traiter un thème qui me plaît au travers d'un univers qui me plaît et que je sens qu'il va bien s'imbriquer avec et que j'ai une bonne trace, un bon début de scénario. En fait, à partir du moment où le personnage est tellement complet que je commence à cerner ce que je peux raconter avec, j'ai satisfaction. Si on crée une personnalité, comment la mettre en lien avec les enjeux? Une même personnalité ne donnera pas le même personnage si c'est une fille ou un gars. Salut le chat. Qu'est-ce que t'en penses, Kiss? Il est beau ce chat. Qu'est-ce que... Mettre en lien avec les enjeux. Je pense qu'il faut... Oh putain. J'ai le cul de Kiss juste devant moi, c'est merveilleux. Je pense qu'il faut... Il faut voir par rapport à l'enjeu de l'univers que t'as créé, s'il y en a un. Comment ça... concorde avec ton personnage. Et oui, les enjeux peuvent changer si ton personnage est un garçon ou une fille, par exemple. Si le monde que t'as créé, par exemple, est misogyne, ton personnage aura plus de difficultés si c'est une femme. Si le monde que t'as... Par exemple, dans mon monde est raciste. Les Sylvaniens ont des gros soucis. Du coup, avoir créé un personnage métis humain sylvanien rajoute de l'enjeu. Je pense que ça dépend beaucoup du contexte du monde que t'as créé. Oui, il est gros, le chat. C'est toi qui es gros. Aussi. Je mange des chips depuis 17h, le même paquet, c'est merveilleux. Format familial. Donc, ouais, je pense que les enjeux changent selon l'univers dans lequel évolue ton personnage. Mmh. Selon les difficultés auxquelles il ou elle va être confronté. Comme j'ai dit, dans un monde misogyne, l'ampleur ne serait pas la même chose si c'était un homme ou une femme. Dans un monde raciste, dans un monde où il y a de la ségrégation en général. Etc, etc. De toute façon, normalement, dans un monde où il y a une forme d'intolérance, forcément il y a des cibles. Ça a bien marché le MBTI pour toi? Ah bah tant mieux. C'est lui à 100%, ah, c'est-à-dire que t'as saisi ton personnage. Ensuite, j'ai vu Howard un moment qui a parlé d'une vidéo YouTube qui permet de typer soi-même sans passer par le test du MBTI. J'irai vite faire regarder. Ensuite, moi, je suis jamais passé à côté avec le MBTI. Donc, est-ce qu'il est fiable à 100% ou pas? Moi, il a jamais pas été fiable. Mais je pense qu'en tout cas,
pour de l'écriture de personnage, c'est une très bonne base. Puis ça peut être, voilà, une bonne piste. Une bonne piste, oui. J'ai vu un truc, je rebondis sur le test que j'ai fait hier, donc en vous demandant 5 points positifs et négatifs chez un personnage, certaines personnes arrivent avec des points qui se contredisent, par exemple, dans le positif et dans le négatif, généralement. Mmh. Il faut faire attention à ce genre d'incohérence chez vos personnages. Je vais pas montrer d'exemple ou un truc comme ça, hein. Je suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, mais faites attention aux mots que vous utilisez quand vous parlez de positif et de négatif. Par exemple, j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'ils détestaient les gens, et à côté, qui était à l'écoute. Donc voilà, est-ce qu'il va l'écouter pour leur gueuler dessus? Voilà. Alors que bon, on peut, par exemple, le typique ermite, détester le monde, mais être à l'écoute de l'individu. C'est autre chose. Voilà. En fait, dans ce cas-là, faut préciser un peu sa pensée et faire attention aux mots qu'on utilise. Mmh. Sinon, on se retrouve face à une incohérence, et c'est vraiment vos bases pour votre personnage. Donc si vous partez sur une incohérence, on va avoir des soucis. Donc faites attention aux points que vous utilisez dans les points de caractère, surtout. Mm-mm. Parce que ça crée la cohérence ou l'incohérence dans le personnage. Et ça en fait quelqu'un d'un peu ambivalent, on ne va pas mentir. Mm-mm. Donc à moins que vous travailliez sur l'ambivalence du personnage, et dans ce cas-là, bonne chance, parce que c'est quand même de la recherche à faire, un personnage ambivalent. Mais sinon, faites attention. Oui, on touche un point psychiatrique, là, quand même. Ouais, voilà. Et voilà, et si votre personnage a un souci psychiatrique, j'aime pas ça. Il faut se renseigner sur ce point en particulier. Mmh. Par exemple, il y a la chaîne de Psylab. Juste une question à propos des lives. Les redis sur YouTube, c'est permanent? Oui. Genre, ça va pas. Non, il n'y a pas de souci, ça va rester. Oui, voilà, ça reste 2 semaines sur Twitch, mais j'upload sur YouTube généralement dans les 2 jours qui suivent le live, et c'est permanent. Voilà, les troubles de la personnalité, disons ça. Mmh. Voilà, et c'est ensuite, il y a les maladies psychiatriques qui, là, sont graves. Il faut aussi se renseigner dessus. Mmh. Bah, par exemple, en vous renseignant, vous pouvez découvrir ce que vous avez imaginé pour votre personnage. C'est pas une chose qu'il va avoir toute sa vie. C'est, on avait fait des recherches. Tu te demandais si tes personnages étaient cohérents dans leurs réactions. Je vais pas dire qui. Oui. Et on a fait des recherches pour savoir justement si c'est cohérent. Et on a même trouvé les noms des troubles et des problèmes psychiatriques des personnages. Punaise, comment t'avais dû passer au peigne fin tous les troubles de ce Surtout genre. Que je suis pas du tout calé en psychologie ou en psychiatrie, donc j'ai pris ça avec énormément de pincettes et essayé de corréler en fait les informations que je trouvais pour pas prendre le premier truc sur Doctissimo et dire bah regarde, elle a un cancer. C'est quoi DSM-5, hein, Kashi? Je crois que c'est la liste des... Des troubles. Voilà, de tout ce qui est psychiatrique. Ah mais c'est pas ça que t'avais regardé? Si, je crois que j'ai regardé. Ah bah oui, on sait alors. Question, désolé si elle a déjà été posée. Comment rendre un personnage charismatique et comment faire accepter son charisme aussi pour le lecteur? Ouh! C'est une bonne question, mais encore une fois, déjà il faut qu'il sache parler. Oui! Qu'il ait de la présence. Ensuite, quand je dis de la présence, c'est pas obligé qu'il soit beau par exemple. Il faut que son design inspire quelque chose. Ouais. Ça peut être pour son attitude aussi, par exemple, il peut être petit, mais il a une attitude de leader, il a confiance en lui, il se tient droit, il s'adresse, il a la tête haute, etc. En fait, le charisme, c'est pas seulement du physique, c'est une attitude, une manière de parler. C'est moins le physique que l'attitude. Voilà. La plupart des antagonistes sont souvent charismatiques et sont pas spécialement beaux et tout ça, ils ont juste énormément de présence et ça peut les rendre beaux aux yeux des gens. Manuel de tous les troubles psychiatriques en connaissance, voilà. Fruit de plusieurs années de recherche. C'est apprendre avec des pincettes quand même. Oui, j'imagine. Bah, en fait, je pense que le problème de ce genre de liste, c'est que ça ne fait pas du cas par cas, ça fait de la généralité années d'études, et donc ça fait un regroupement. Mais malheureusement, la théorie en psychologie, en psychiatrie, c'est obligé d'être ça. Je sais que quand j'avais commencé à étudier la psychologie, que j'ai arrêté au bout d'un moment, je me suis naïvement dit, je vais arrêter parce que ça m'intéresse pas, c'est de la théorie et pas du cas par cas, mais t'es obligé de connaître la théorie avant le cas par cas. Oui. Je connais plein de monde qui ont arrêté la psychologie à cause de ça, hein, mais on leur dit, c'est pas en première année, on va pas te mettre en face d'un patient et lui demander de raconter sa vie, faut arrêter quoi. À la fois drôle, malin, intéressant, tout en... En réalité, c'est égocentrique et manipulateur, bien sûr. Bien sûr. Ça fait d'ailleurs un personnage assez complet. Bien sûr. Et ça, d'ailleurs, c'est une forme de charisme. Ouais. C'est arriver à intriguer les gens, à les intéresser, à les faire rire, à leur faire croire qu'ils sont importants, en fait. C'est de la manipulation. Et du charisme.
En fait, pour moi, le meilleur moyen de créer un personnage charismatique... Je sais pas, parce qu'en fait, les personnages qu'on m'a dit charismatiques, j'ai pas cherché à ce qu'ils le soient. Mais en fait, c'est cliché ce que je veux dire, mais si votre personnage a une consistance, il sera charismatique. À sa manière. Même un personnage qui a pas confiance en lui peut être charismatique. Et puis ça dépend aussi de la mise en scène que vous faites dans vos pages pour rendre un personnage important. Mais tout est une question d'attitude, de mise en page. Et je pense que si votre personnage est vraiment complet, il pourra être charismatique à sa manière. Dans les personnages charismatiques, t'as Salika. Mais il a toujours les cheveux au vent, il a toujours la cape qui vole, il sourit, il est toujours très droit. Et ça rend le personnage, déjà, au niveau de son attitude, charismatique. Et Salika est une personne qui a confiance en lui. La confiance. Ouais. Effectivement. Ah oui, bien sûr, Kashi. Tout à fait. Un personnage drôle et charmant, mais qui a des problèmes à gérer sa colère, c'est tout à fait cohérent. Mais de toute façon, pour moi, tout peut être cohérent, sauf si vous mettez clairement un défaut et une qualité qui ne peuvent pas fonctionner. Par exemple, vous pouvez pas être une personne empathique et apathique. Je prends un exemple vraiment gros, comme une planète, mais ça reste un exemple. Par contre, vous pouvez faire un personnage qui fait croire qu'il est empathique. Voilà. Ou un personnage qui, d'apparence, est apathique, mais est empathique. Ça fait un peu pervers narcissique, hein, quand même. Oui, oui, c'est clair. C'est Bae ! Putain, NG ! Je dois avouer qu'il y a un personnage que je trouve charismatique, c'est Destiani. C'est déjà, j'ai déjà beaucoup écrit dessus, par contre, je vais éviter de m'étaler. Ouais, bah, je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, j'ai juste qu'on m'a dit, on m'a déjà dit que Destiani était charismatique, et pourtant, Destiani est un personnage qui n'a pas confiance en elle. Mais c'est son attitude, je pense que, en fait, son attitude boudeuse et bougonneuse, elle dire ce qu'elle pense et c'est tout, ça fait déjà une présence. La personne est intrigante et présente, donc ça la rend, aux yeux des gens, charismatique. Bah en fait, Destiny n'a pas confiance en elle, mais elle se proscrit pas dans, elle est pas proscrite dans un coin, elle est pas... elle bafouille pas... Par exemple, désolé Mylène, mais tu peux pas dire qu'elle est charismatique. Non, Mylène n'est pas charismatique. Mylène, elle est comme ça, elle est toujours en train de sourire, de se corriger. C'est ça, elle bafouille, elle a pas confiance en elle. Dans le chapitre 2, quand elle parle au gouverneur, on sent qu'elle voudrait être n'importe où sauf là. C'est l'hippopolion, il est plus charismatique, quoi. Voilà, j'adore Mylène, c'est un personnage que j'adore écrire, mais elle n'est pas charismatique. C'est l'attitude fait pas chier, ça peut être une forme de charisme. En fait, c'est ça, Destiani, le charisme fait pas chier. En fait, depuis tout à l'heure, j'improvise un peu parce que le charisme n'est pas une notion que je maîtrise très bien. Mais je pense qu'il y a plusieurs formes de charisme. Il y a le charisme du leader, il y a le charisme du me fais pas chier ou t'as mon poing dans ta gueule, il y a le charisme du je m'en bats les couilles de toute manière à la Salika. Bah, à partir du moment où quelqu'un trouve quelqu'un d'autre impressionnant ou imposant ou qui est de solaire, c'est qu'il est déjà plus ou moins charismatique. Ah oui, mais Mylène est un personnage très mignon. Mais voilà, tu la mets dans une foule et elle parle, personne n'écoute, quoi. S'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Question charisme, Guts et Griffiths de Versa. Oh, punaise. Chacun leur manière, effectivement. Griffiths, l'incarnation du charisme. Et Guts est charismatique par sa présence, justement. C'est ça. Et pourtant, tous les deux, c'est pas la même chose. Genre, Guts est illettré, mais il a une présence de... En fait, c'est... Il est confiant de ses capacités de guerrier, il est puissant, il dégage de la puissance. Alors que Griffiths, en fait, déjà, il dégage aussi de la présence, mais il est confiant en lui, il est fort en escrime, il est lettré. Il sait parler. Important. Et en fait, c'est ça. Griffiths est solaire et Guts est dark. Du coup, c'est deux formes de charisme. Et pourtant, Guts sent qu'il est effacé par charisme de Griffiths alors qu'il a son propre charisme. Mais l'un ou l'autre, séparément, rentre dans une pièce, on ne regarde que. C'est ça. Et oui, en plus, Griffiths a les cheveux de Lady Oscar et ça rajoute. Et les cils aussi. Et les cils, putain, mais la première fois que j'ai vu... Il bat des cils, il y a une tempête, quoi. C'est ça. Mais en fait, quand on m'a parlé de Berserk, avant que je lise, tout le monde me parlait de Griffiths. Du coup, j'ai tapé Griffiths Berserk sur Google Images. Et quand j'ai vu la gueule de Griffiths, j'étais... Mais what ? Je ne connais pas ton boulot, Krisa. Tu es scénariste et dessinatrice. Les deux ! Les deux, mon capitaine ! Elle fait son propre manga, c'est je suis son éditeur. Et je vais tout de suite mettre le lien de son manga. C'est juste qu'en fait, j'ai une formation en BD très axée sur le scénario. Et on va dire que c'est le... Bah, je pense que des deux, c'est ce que je maîtrise le mieux. En dessin, je suis, selon moi, encore... J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai bon espoir.
Et le sujet de tout ce qui est dessin, création, enfin de tout ce qui est scénario, création d'univers et tout, c'est un truc qui me passionne. Et c'est pour ça qu'on a créé l'émission, c'est pour que je puisse partager mon goût pour tout ça. Voici son travail, et son travail qui est aussi édité. Il est beau, hein? Pas trouvable en magasin malheureusement parce Ouais, que je suis désolée. bah je suis auto-entrepreneur et que j'ai pas d'accès avec les boutiques. De toute façon, ils prennent 30% et c'est beaucoup trop. Oh oui, on fait des lives tous les samedis à 19h. Et les rediffusions sont disponibles sur YouTube. J'imaginais si quelqu'un faisait une tentative de fan anime pour Never Surrender. Tu sentirais ça comment tout ça? Japanime à Nantes, il faut juste que je remette. On en a mis un moment, mais il faut remettre. Alors excuse-moi, réponds à la question. J'imaginais si quelqu'un, blablabla. Bah en fait, tant que la personne se dédouane, enfin explique que Never Surrender lui appartient pas, moi j'aurais pas de souci avec. Tant que mon nom est mis et que la personne explique Never Surrender ne m'appartiennent pas, les personnages et l'histoire appartiennent à Chrysalide, bah il y aurait pas de souci. En fait, c'est pour la même chose qu'à peu près toutes les fan créations, tous les fan-made. Moi, tant qu'on précise mon nom et que la personne ne s'approprie pas Le crédit, le quoi. crédit, il n'y a pas de souci. Bon, bah, samedi prochain, Bah, alors. samedi prochain, je suis ravie que ça t'ait plu. Oui, on en avait déposé au Japanime de Nantes, c'est. Ça c'était bien vendu, Ah, j'étais. ils ont vite du coup payé, hein, donc. J'étais super contente. Oh, sacré Angie, j'ai toujours tout ce que tu m'as fait enregistrer sur mon PC. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là au début, elle vient de finir le chapitre 7. Oui, Bon, il n'est j'ai. pas encore en ligne, j'ai pas encore Ouais. tapé les textes et j'ai même pas encore scanné d'ailleurs. Mais ça va être fait. Donc voilà, j'ai juste à revoir les planches, voir si j'ai pas oublié des détails, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on a la tête dans le guidon, bah, on peut oublier des trucs. Ensuite, on scanne, Dunky mettra les textes et je ferai la couverture de chapitre En même temps. en même temps. Et d'ailleurs, un petit spoiler, en couverture de chapitre, ce sera Salika et non pas Destiani, comme on a depuis le début de la série. Non, ça sera le fruit. Oui, ça sera un gros fruit! Un gros! Un gros fruit, il est Comme feu au vent. ça! The fuck. Comment est-ce que. On a un scanner A3 en fait. Ouais, un bon gros scanner A3. Attends. Ouais, Ah. montre le bébé. Voilà, attends, hop. Donc ce Tu peux scanner. jeter mon courrier, s'il te plaît? Oui. Mais il n'y a pas ton adresse. Quand même. Bon, voilà, le scanner. A3. Voilà. Un sacré bébé, hein. Et si vous posez la question, il m'a coûté un rein. Il m'a coûté un rein, mais. On est de travers maintenant. Non. Mais tout le chapitre, enfin tout le tome 1 a été scanné dessus, donc honnêtement, ça valait le coup. Oui, c'est Ça un a dû monstre. être chiant à déplacer. Bah, Dieu merci, j'ai le permis et une voiture. Et j'ai des bras. Voilà. Oui, c'est un monstre. Et pour le chapitre de Vigo, ce sera une grosse bite. Le chapitre de Vigo avec une bite Zut! tramée, bien sûr, Non, avec des Vigo! dreads. Oh! Tu sais, c'est comme dans la vidéo de Monsieur Connard et de Mister JD. Une grosse bite moustachue. Alors, je vais arrêter là parce que c'est en train de parler de Tubby et on C'est va pas se calmer. grave. Pour faire ce malin de Vigo, du coup, putain. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas transmettre des délires entre nous aux Mais fans. en fait, là on en revient à la création de personnages, mais en fait, en vous parlant de ce personnage comme ça, vous en avez une image Ouais, c'est ça, c'est un très bon avec exemple. des traits qui lui cou enfin, qui lui correspondent et tout. Alors que dans le chapitre 5, qui est sa. Que dans le chapitre 3 et chapitre 5, qui sont ses premières apparitions, on le voit parler à Lo avec beaucoup de sérieux, même s'il dit quelques bêtises. Et dans le chapitre 5, il affronte Destiani en mode badass, mais c'est le genre de mec qui troll ses potes d'Oxalis en dessinant des bites. Donc sur le terrain, déjà il est un peu YOLO parce qu'il a reçu aucun ordre pour affronter Destiani, il l'a fait de lui-même, ce qui montre sa personnalité, Un peu un impulsif, peu hein. impulsif, mais par à côté de. C'est une personne empathique parce qu'à la fin du chapitre 6, il essaie quand même de faire comprendre à Destiani qu'il est malgré tout de son côté, et par à côté de ça, il dessine des bites. Donc ça. En fait c'est con, mais lister tous ces traits de personne, ça montre que. Avec Lo, il fait preuve d'autorité, donc il est respecté. Il affronte Destiani, il est impulsif. Il aide Destiani, il est empathique, il essaie des bites, il est con. Voilà la stratégie Vigo. Toi, moi, gare du Non! Nord. Oh putain, je vais le défoncer! On se retrouve à la sortie du lycée, je te casse la gueule. Non.
connu. Tu me diras, ça s'est un peu passé comme ça avec Destiny. Hein. En fait, Vigo c'est Squeezie et Destiny c'est Thibaut InShape. C'est ça. Destiny c'est Thibaut InShape. On aurait préféré l'inverse, tu vois. Oui, mais c'est lui qui bâche. Clash de fruits. Non, c'est si Salika il se clash avec quelqu'un. Les fruits c'est pas si bon que ça, hein. C'est un peu surcoté. Qu'est-ce que tu fais, Salika? J'enregistre une vidéo YouTube pour lui dire à quel point ce type c'est de la merde. Alors, j'ai été agressé sur Twitter. Surtout que Salika, c'est le genre de personne qui ne se sentirait agressé, mais pour rien au monde. On pourrait l'attaquer personnellement, juste non, mais tu attaques les fruits. Il te fait une story Insta. Ce serait un Instagram boy, Salika. D'ailleurs, on dit beaucoup de bêtises depuis 5 minutes, mais c'est con, mais ce genre de délire, ça peut nourrir votre personnage. Les déracines de ma graisse en pleine mission, ça tourne mal. Et à quel moment il tourne, quoi? Oui, en fait, regardez, vous délirez sur un univers avec des personnages et tout ça, ça démontre en fait que l'univers et les personnages sont suffisamment complets pour que vous puissiez délirer dessus. Bah, je vais vous donner un petit exemple, je vais encore la citer. Tu veux me passer les prisonniers du rêve, s'il te plaît? Mm-hmm. Ah là alors, là. Voilà, donc, les prisonniers du rêve. Magnifique Shoujo, bébé. Shoujo Fantasy réalisé par mon ami Daisy. Qui malheureusement pourra jamais venir sur E-Life parce que le samedi soir ça ne l'arrange point du tout. Et en fait à la base elle a commencé son projet comme moi à notre école de manga. Et en fait elle en parle tellement avec sa colocataire que en fait bah, sa coloc lui a donné plein d'idées pour compléter son scénario. Et bon elles ont également des délires et tout mais à partir de ce délire elles ont vraiment eu des idées. Donc c'est con mais ça voilà. Aide. Du coup, encore une fois, quelque chose que j'ai mis en page. Voilà. En tant que graphiste. Hein. Et donc, j'ai corrigé les storyboards. Bon, maintenant, elle est à Paris, je suis à Nantes, donc pour corriger ces storyboards, on a un peu de mal. Mais voilà, elle sera à la Japan Expo, donc allez lui faire un petit coucou. Okay, on vous dira, elle est là-bas. Elle est qualitative comme fille. Voilà, merci Subaru. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le même univers que NS, parce que là, c'est du shoujo totalement assumé. Shoujo fantasy. Donc voilà. Mais c'est du fantasy, et le fantasy, c'est cool. En plus, sa conception d'univers est vachement intéressante. Je vais faire d'ailleurs un petit retour sur la conception d'univers. Vous vous rappelez le schéma notre univers plus quelque chose, notre univers moins quelque chose. Il me semble qu'elle est dans le schéma univers moins quelque chose. Mmh. Et c'est assez intéressant. D'ailleurs, là j'en parle maintenant, mais dans les vidéos, à chaque fois qu'on fera un live, on pourra revenir sur les thèmes précédents. Voilà. On ne pourra pas aborder les thèmes à venir, mais aborder les thèmes précédents. Là, on est dans la création de personnages, mais on peut lier ça à la création de l'univers si vous le souhaitez. Voilà, parce que bah, tout le monde n'a pas l'occasion de poser ses questions pendant les lives et peut dire bah, « j'ai pas été là, est-ce que je peux demander ça ?» Je serais déjà réduit à l'état de flacre, hein, qu'après vous avoir parlé, j'aurais sûrement pas la force d'aller dans d'autres endroits. La faille frissonne. D'ailleurs, bon là je dis juste, c'est quand vous créez un personnage, vous partez du trait de caractère négatif dominant du personnage, en fait son défaut, dites-vous que c'est sa faille à lui. Exactement. Bah en fait c'est ça. C'est d'ailleurs, si vous avez tant de mal que ça avec la faille, créez votre univers à partir de la faille. Mm. Dites-vous, je veux faire un univers mais qu'il y a un truc qui fait que tout pourrait s'écrouler. Ça pourrait être quoi ce truc? Et là vous cassez pas le cul, vous avez votre faille dès le début. Voilà. C'est pas merveilleux? Vous pouvez nous faire un petit rappel sur les schémas, mais pas de soucis. Donc, le premier schéma le plus répandu, c'est univers plus quelque chose. On a le très célèbre cas de Harry Potter, qui est univers plus magie. Donc ça rajoute plein de choses, le fait que les sorciers se cachent des humains, etc. etc. On a univers moins quelque chose. Je vais vous citer l'exemple des prisonniers du rêve, vu qu'on vous a passé le tapas. Donc hop, prisonniers du rêve. Les prisonniers du rêve, c'est... monde moins libre arbitre. Et je vais pas vous en dire plus parce que bah, c'est à vous de découvrir au travers de ta passe. Mais en gros, Daisy a réfléchi le monde si on retirait le libre arbitre à tout le monde. Et donc, bah, elle a créé un système de rêve, etc. qui remplace les décisions. Et ensuite, il y a un autre schéma qui est celui que j'utilise. C'est monde plus un truc qui est remplacé par un autre. Dans Full Metal Alchemist, on retire les sciences physiques pour les remplacer par la chimie. Dans Never Surrender, on retire les avancées qui devraient avoir lieu au 19e siècle pour les remplacer par l'esclavage des Sylvanians. Du coup, ce sera plutôt un pilier qu'une faille. Enfin, c'est pareil, c'est juste l'image qu'on s'en fait qui change.
Ensuite, on dit la faille parce qu'on a tendance à parler de faille dans laquelle les personnages s'engouffrent. Mais vous pouvez voir ça comme un pilier aussi. Ensuite, j'aime pas trop le terme pilier parce que le pilier, ça donne une image de force. La faille, en fait, donne une image de faiblesse. Et on parle de la faiblesse de votre monde. Et monde moins humain. Bah là, vous partez par exemple d'un monde où il n'y aurait que des animaux, où il y aurait des extraterrestres, où l'humanité aurait disparu à cause d'une catastrophe, enfin ce genre de conneries. Par exemple, à l'époque des homos, enfin des hommes préhistoriques, ils arrivaient à une chose qu'aux dinosaures, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez des histoires qui tentent de faire des mondes moins émotions? Je trouve ça... Équilibrium. Équilibrium, ben ça se fait, mais c'est juste que bah bonne chance pour la documentation psychologique quoi. Et puis même, c'est très compliqué, même Équilibrium n'a pas réussi à le faire à 100%. Il y a des interférences dans le micro? Comment ça, il y a des interférences? Ça grésille. Bouh. Genre à des moments tout le temps ou fréquemment ou... Ça doit venir des portables, ton portable est prêt. C'était sur mon portable, je l'ai jarté. Oui, bah on jarte nos portables. Ponctuellement. Bon. Ok. Oui, d'accord, ok les gens, on a compris. Non mais c'est bien, j'ai demandé des précisions, ils sont précis, hein. Bonne soirée. Bonne soirée, ravi que ça t'ait plu. Nos smartphones. Alors... Ouais, sinon, pour revenir à ce que disait Karma, bah, ça se fait les histoires au monde moins émotion, hein, mais c'est juste que bah, bouffe ta documentation psychologique. Hein. Et, ouais, et pour créer des enjeux et tout ça, il faut forcément... Là, c'est très intéressant parce que la faille, c'est les émotions. Bah oui, c'est ça, c'est que si jamais les émotions sont retrouvées, bah, la société fonctionne plus. Pas de téléphone pendant les cours, madame. Je m'en fous, c'est moi le prof, je fais ce que je veux. Donc voilà, donc les trois schémas sont clairs pour tout le monde ou faut que j'en redonne un? Il y a un chat? Oui, il y a un petit chat. Pidge! Un monde sans téléphone. Oui. Bah oui, mais dans ce cas-là, est-ce que toutes les technologies créées en même temps que les téléphones s'en vont, etc. Enfin, plein de questions se posent. Est-ce que, bah oui, les satellites, la Wi-Fi, tout ça s'en va? Donc voilà, en fait... Bah, en général, dans ce moment-là, on décide du schéma et on se rend compte que bah, un élément n'amène un autre, etc., etc., et effet papillon. La faille, ah bah décidément ! C'est le truc qui fait que ton univers fonctionne, et si on l'enlève, on le détruit, on y touche, tout part en couille. Alors, j'avais noté la... Enfin, ça a été noté sur le... Je suis désolée s'il y a du grésillement, je dois sortir mon portable. Sur le Discord, la définition de la faille qui a été faite par mon collègue Régis et qui est excellente. Ça grésille? Bah oui, elle a son téléphone. J'ai mon tout portable, prêt. C'est ce que je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai prévenu. Alors, la faille, c'est ce qui, une fois révélé, utilisé ou détruit, va chambouler notre univers. La création de l'univers n'est pas affectée car la faille fait partie de l'univers. Bah, juste, si t'es encore là, merci. Attends, bah c'est où? Je vais directement le mettre dessus. Oui, il y a un Discord. Il y a un Discord Karma, qui est... Karma, si tu es là. Il est officieux, c'est pas nous qui nous en occupons. C'est les followers. Mais franchement, c'est... C'est du sérieux, c'est vachement bien. Que pensez-vous des histoires qui vont vers l'excuse? Juste n'y pensez pas pour certaines incohérences mineures dans l'histoire. Bah que c'est bien de l'éviter, quoi. Tout simplement, une incohérence reste une incohérence, donc... Le mieux reste d'éviter l'incohérence, quoi. Ensuite, si l'incohérence, c'est... Enfin, tu réussis à foutre un pansement dessus en expliquant à la va-vite pourquoi c'est arrivé, bah tant mieux. Si c'est pas important dans l'histoire, ça va. Mais par contre, si ça chamboule complètement, on va dire, l'équilibre de ton univers, ça va pas. Si tu remets en cause l'une de tes règles, ça va pas. Ouais. Mais pour revenir à la faille sur le Discord, ça a vraiment été très très bien, très très bien expliqué. Mais juste, faites-vous en fait l'image que votre monde est un château de cartes et qu'il y a une carte qui maintient le reste du monde et que si on la retire, tout s'écroule. C'est ça votre faille. Ensuite, c'est à vous d'appliquer ça à votre projet. On va reprendre l'exemple de Neverwinter du coup. Neverwinter,
c'est de l'esclavagisme, qui d'ailleurs, le monde tourne autour de ça, c'est-à-dire que les Sylvaniens sont partout, ils sont dans les cuisines, dans les jardins, sur les réseaux sociaux, on va éviter. Bref. C'est même des animaux de compagnie au final. Voilà, et la technologie est absente, parce que les Sylvaniens sont là. On enlève les Sylvaniens, la ils société... Ils sont dans la merde. La société cesse de fonctionner, il n'y a plus de main d'œuvre, il n'y a plus de chair à canon, il n'y a plus de jeux, il n'y a plus rien. C'est ça, déjà on retire le divertissement parce qu'il n'y a plus de Sylvaniens à mettre dans les arènes, donc les gens vont s'ennuyer, vont se rendre compte que leur monde il fonctionne pas si bien que ça. Il n'y a plus personne en cuisine, il n'y a plus personne pour tirer les charrettes, ou enfin n'importe quoi. C'est ça, et en fait du coup la plupart des humains ont perdu l'habitude de eux-mêmes faire ce genre de tâches, ce qui fait qu'ils vont être perdus. Par exemple. Voilà, c'est ça. Bon, ça veut pas dire que Neverwinter Nights ça va tourner comme ça, hein. Mais c'est un... C'est un exemple parmi tout d'autres. Dans Harry Potter, les humains ne savent pas l'existence des sorciers. Si un jour ils le découvrent... C'est la merde. Tout est remis en cause. Il va falloir réadapter le monde. Mm-mm. C'est une faille qui est exploitée dans les animaux fantastiques, d'ailleurs. Mm-hmm. Plus que dans Harry Potter. Voilà, en fait, la faille, c'est ce qui détruit pas le monde au sens de... C'est l'apocalypse, mais c'est ce qui fait que la société ne peut plus tourner convenablement. Elle est remise en cause. Et doit être réadapté. Voilà, ça peut toucher la sociologie, l'économie, la politique, l'énergie, la technologie, etc. Encore une fois, ensuite, vous n'êtes pas obligé de l'exploiter. Par exemple, dans Harry Potter, la faille n'est pas exploitée. Elle est surtout exploitée dans les animaux fantastiques. Voilà, en gros, pour ceux qui n'avaient pas compris la faille. Et oui, j'avais cité un exercice à faire pour s'habituer à la faille de votre univers qui a été donné sur le Discord. C'est qu'une fois que votre création d'univers est terminée, vous pouvez faire un tout petit one-shot, qui peut juste être écriture, hein, pas forcément des planches, où en fait, au travers d'un personnage que vous créez pour l'occasion, vous explorez cette faille et vous montrez comment elle peut foutre en l'air la société. Il faut vraiment que ce soit un exercice très rapide, il ne faut pas passer plus de 2-3 jours dessus. Et encore une fois, si vous avez créé un univers et que vous ne savez pas ce que c'est que la faille, parlez-en. Oui. Parlez-en aux bêta-testeurs, lecteurs, n'importe qui peut vous poser des questions sur votre univers. Oh, Ghibli. Oui, j'ai mis du Ghibli. Qui peut vous poser des questions sur votre univers et vous dire, mais si on enlève ça, est-ce que ça continue à fonctionner? Et c'est con, mais c'est comme ça, vous pouvez trouver votre faille. Mmh. Toujours les bêta-lecteurs, parlez de votre univers. Il faut savoir que dans votre monde, il y a deux choses qui s'opposent. Il y a donc la faille qui peut... faire s'écrouler le monde, et d'un autre côté, il y a ce qu'on peut appeler la loi du monde qui fait tourner. Par exemple, dans la loi du monde de Never Surrender, c'est que tant qu'il y aura un système de hiérarchie avec humain au-dessus, humain au-dessous, et bah tout fonctionnera. Mais si la faille s'engouffre dans cette loi, et que la hiérarchie ne fonctionne plus, le monde ne fonctionne plus. Il faut revoir tout, hein, les lois, la justice... C'est ça. Ah oui, les fermes dans Tales of Symphonia, c'est flippant. Bref, là on est reparti dans l'univers, mais si vous avez des questions sur les personnages, vous pouvez toujours les poser. Mais franchement, j'ai envie de dire, c'est toujours intéressant de revenir sur les thèmes précédents. Le live de la semaine dernière était très riche en informations, et c'est normal que vous vouliez plus d'informations. On va pas vous dire, ah non, le cours précédent il est fini, vous déconnez, hein. Ouais, c'est bon, il y a une rediff, tu te démerdes. Putain, t'imagines si les profs ils fonctionnaient vraiment comme ça, c'est bon, t'as pris des notes ou pas? T'as pas à te poser de questions. Pire prof. Donc, voili voilou. Ouais, mais vos profs de physique ont plusieurs aussi élèves de, enfin plusieurs classes de 30 élèves, donc. Oh non. Bon, payer pour avoir des précisions, c'est triste un peu quand même. Ah oui, honnêtement, si je vous prends en cours particulier et que vous me demandez des précisions, je serais, mais pourquoi vous m'avez pas demandé ça sur les lives gratuits? Mais enfin! Si vous, par contre, vous voulez des précisions sur votre univers, que Chrysafat, votre bêta lectrice et tout ça, en tout cas votre prof, votre coach, là oui, par contre, ça devient payant, effectivement. Oui. Parce que c'est quand même de l'enseignement. En fait, je considère que les cours payants, c'est pour traiter du cas par cas. Parce que là, je peux pas traiter vos univers au cas par cas, parce que sinon, les lives, déjà, de 1, ils vont faire 5 heures. De 2, ça veut dire que je dois passer mon temps
à passer d'un univers à l'autre, puis même, c'est le bordel, quoi. Si vous payez des cours particuliers, c'est que vous avez un univers à faire lire. Parce que si vous payez 20€ de l'heure juste pour dire « Parle-moi de la création d'univers », regarde le live, c'est gratuit. Regarde le live, il est sur YouTube. Tu peux le regarder autant que tu veux. Et poser des questions pour les lives suivants. Est-ce que tes cours sont déjà disponibles? Alors, pas les cours en forfait récurrent, mais les cours ponctuels, oui. Oui, bah, une heure en fait, payée ponctuellement, et pas le suivi encore. Le suivi, ça sera après Japan Expo. Précision, vous pouvez regarder les tarifs dans le Tipeee. Donc, juste en dessous l'écran du live, il y a le logo Tipeee. Vous cliquez dessus, vous descendez sur le Tipeee, et vous avez la grille des tarifs. Pour l'instant, il n'y a que le ponctuel. Parce que pour l'instant, je commence à avoir des personnes qui m'ont contacté pour du ponctuel. J'ai une amie, par exemple, qui m'a demandé un cours pour la relecture de storyboard, que je fais aussi. Voilà. Enfin, n'importe quelle étape, peu importe où vous êtes, on n'est pas obligé de commencer du début. Hein. Voilà, sauf la réalisation même de dessin. Ensuite, mon avis, c'est un peu particulier. J'avais déjà corrigé son scénario, mais le projet Motif ta plume n'existait pas encore. Et elle a voulu me rémunérer pour l'étape suivante, parfois. Donc voilà, si vous voulez un gros suivi de plusieurs cours, je ne pourrais pas encore le donner parce que je vais reprendre le travail et je vais travailler jusqu'à Japan Expo. Donc entre ça et préparatifs de Japan Expo, je ne vais pas être très disponible. Et les lives assurés tous les samedis soirs. Voilà. Mais oui, vous avez un univers, vous voulez savoir s'il est cohérent, vous pouvez prendre un cours ponctuel, il n'y a pas de souci. Bonjour, je n'arrive que maintenant et j'ai un trajet d'une heure qui m'attend, j'imagine que je loupe à peu près tout. Bah écoute, tu as loupé pas mal de choses en effet, donc si t'as des questions, quitte à ce que je me répète, ça, c'est pas un souci. Et sache qu'il y a la rediffusion aussi. C'est ça, donc... Disons que tu as loupé le direct, mais que tu ne louperas pas la rediffusion. Là, on va dire qu'on est plus dans la phase d'échange que dans le cours même. Et d'ailleurs, si t'as des questions sur la création de personnages, tu peux les poser la semaine prochaine. Ou les poser maintenant et je me répéterai, c'est pas un souci. Non, voilà. Et même si c'est une question qui a déjà été posée, il n'y a pas de souci non plus. De toute façon, même si vous posez les questions une dizaine de fois, si vous le posez une dizaine de fois d'affilée, je vais me dire que vous vous foutez de ma gueule. Krisa, meilleur prof que la moitié des vrais profs. Ouais, mais malheureusement, la profession prof de scénario n'existe pas en collège et lycée. Ouais. Et en fait, le souci, c'est que pour avoir un poste, il aurait fallu que je travaille dans une école de BD et je ne suis pas très fan du système des écoles de BD. En France. Ouais. Ensuite, il y a bien mon école de manga, mais il y a une seule prof qui s'occupe de toutes les années, et c'est la prof qui m'a formée, donc hors de question que je la remplace, quoi. Je galère pour trouver des noms pour mes personnages. Est-ce que tu veux que ce soit des noms significatifs ou des noms qui sonnent bien? Oui, tu peux avoir les deux, mais... Ou les deux, moi j'essaye d'avoir les deux. Il y a des sites où tu peux trouver en fait la version inverse de noms pour signification, c'est que tu cherches une signification et ça te sort tous les noms qui ont plus ou moins la même signification. Par exemple, pour le maître de Salika, le gouverneur d'Angoria, je voulais que son prénom en impose en fait. Et je l'appelais Emric parce que Emric, ça veut dire la puissance. Emric il fourra. Non, tais-toi. Et un autre exemple, c'est que je voulais que Viggo soit vraiment un personnage typique guerrier, et Viggo, ça veut dire guerrier. C'est ça que je cherchais, mais j'ai pas trouvé. Attends, je vais essayer de te retrouver le site. Au revoir, mais... ouais, personnellement, tout ce qui est chinois et japonais, j'évite. Pour les noms. Non, ça c'est... je vais dans l'autre sens, moi. Exemple, Yuki qui veut dire petite princesse, neige, espoir... Je te retrouvais le site, on m'en avait passé, là je les ai pas. Puisque basé sur la création d'un univers musical, je sais pas trop si je pourrais t'aider là. Salut le chat. Ah, je crois que c'est celui-là.
Moi, je sais que je traîne beaucoup sur les forums où les mamans donnent des idées de prénoms. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est un site où tu peux soit chercher un prénom pour une signification, soit une signification pour un prénom. Il faut que tu coches juste ce que tu veux. Moi, je sais que parfois, c'est con, mais je tape juste sur Google « prénom » avec le mot que je veux mettre, par exemple le prénom Lune. Mmh. Et là, t'as les mamans qui sont en mode « Moi, je l'appellerais bien Luna, Célène, etc. etc. » Souvent les sites de futurs parents. Passer des heures et des heures à chercher un prénom. Ouais, pareil. Et des fois, bah, c'est au bout de quelques jours, je le trouve, tu sais, je laisse de côté et je continue. Ouais. Et parfois, je vole des prénoms à des persos SDF que je réutiliserai jamais. C'est le cas de Wanry là. Je vole des persos, des noms à des SDF. The fuck. Bonjour Krisa, bonjour Donkey, ça va les gens? Je ramène mon boule en retard, mais je viens de me coltiner 800 km de route avec mon paternel. Ah, il va bien ton papa, Maromika? Chapeau. Chapeau, petite goutte de sueur. Bah écoute, il n'est jamais trop tard pour arriver. Non, ça va, il doit rester à peu près une heure de live encore, donc... Ainsi, je te conseillerais de... Salut! Je te conseillerais de regarder la rediff, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, l'air de rien. Ça avance ton projet polar? Petite ambiance fancy, je veux pas dire. Hein. Alors, Ophedanki, merci pour Bibisco, ça sauve. Bah, de rien. C'est quoi Bibisco? C'est, je te montre, c'est le logiciel pour création de scénarios. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est fait pour organiser tes idées, voire même faire des analyses sur ton scénario. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi on m'engueule pour 8 minutes de retard alors? Mais parce que tu tiens le Discord, t'as des responsabilités maintenant. Bah oui. Puis Maromika, il est prof, je vais pas lui dire d'aller chez le CPE. Si, fais-le. Bon, t'as 2 heures de retard, tu vas chez le CPE, hein, c'est mort. Ah, je suis désolée, mais ça compte pour une absence, pas pour un retard. Hein. Du coup, j'ai dû dire ça. Est-ce que ça vous arrive quand vous créez des persos de vous mettre à sa place? Si c'est pour arriver à se détacher de lui, enfin, je veux dire, faire une sorte qu'il soit un perso à part entière et pas qu'il soit nous. Ah, on parle encore du self-insert encore. Alors moi, personnellement, je ne fais jamais de self-insert. Mais, on va dire, le seul moment où tu te mets à ta place dans un personnage, bah, c'est quand tu l'écris. Il faut savoir ce qu'il ressent et c'est normal. Pour la cohérence. Voilà. Hein. Et même si c'est pas... naturel pour toi de penser d'une certaine manière, bah, ça te permet de prendre du recul dans un premier temps et de te renseigner sur la manière dont il pourrait réagir. Tu ne réagiras pas forcément tout le temps comme ton personnage. Bah parce que tu n'es pas ton personnage. Mmh. Vous n'avez pas forcément le même caractère. Il y a des choses que fait Destiny que j'aurais pas fait. Moi personnellement, le moment où elle affronte Viggo, moi j'aurais été en mode non mais je veux pas de problème, s'il vous plaît, je suis désolée, je voulais pas faire de mal à vos soldats. Mais de toutes les manières, il faut que tu arrives à te détacher suffisamment de ton personnage pour savoir ce qu'il ressent, donc ressentir ses émotions et savoir parfaitement les retranscrire, mais ne pas être ton personnage. Surtout pas. Comme on l'a dit précédemment, en fait même au tout début, c'est le meilleur moyen d'être touché personnellement par les remarques. Oui, en fait, le gros souci du self-insert, même quand on le fait pas exprès, c'est que si jamais... Il faut savoir que vos personnages, vous les jetez dans l'arène de vos lecteurs. Si vos lecteurs n'aiment pas vos personnages, ils pourront avoir des propos assez violents dessus, et c'est normal. Un lecteur a le droit d'aimer ou de détester un personnage. Bon, de balancer à son auteur ton personnage écrit avec le cul, ça c'est voilà. Moyen. Alors il y a une différence entre dire j'aime pas ton personnage parce que sa personnalité, blabla, tout ça. Voilà. Ça veut dire que déjà il ressent quelque chose par rapport au personnage. Mm-hmm. C'est un début, hein, franchement. C'est un début et c'est un compliment techniquement. Ouais. C'est-à-dire que ton personnage est assez complet pour qu'on l'aime ou pas. Et c'est par ça. Contre, on te dit ton personnage, tu l'as écrit avec le cul. Là, il y a un souci. Donc, je ne l'aime pas parce qu'il est écrit avec le cul. Il y a une grosse différence. Et le problème, c'est que si vous mettez trop de vous dans votre personnage, ça risque d'être un souci. À savoir qu'un personnage bien écrit peut être aimé ou détesté. Mmh, mmh.
Alors, ça avance avec la création de files, l'intrigue s'est complexifiée, mais j'en suis encore plus heureux. Créer les personnages principaux et secondaires. Merci Philippe. Oh putain. Tiens, bah, on parlait tout à l'heure des petites blagounettes qui humanisent les personnages. Bah, ça, c'est pas une. Mal. C'est pas mal, prenez merci Philippe. Sur Naomika. Et j'ai commencé à bosser sur les meurtres. Il y en a des bien hardcore. Miam. Lire le polar de Naomika. Ah bah, moi je vais lire rien que pour Merci Phyllis. Voilà. C'est un très bon exemple, Merci Phyllis. C'est le genre de truc qui peut faire qu'on peut se marrer sur un projet. Sur l'arène des lecteurs, en ce moment je lis un comics hyper sympa, mais le protagoniste est globalement vu comme une loque passive malgré la qualité de son écriture, donc les gens l'insultent régulièrement dans les commentaires. Ensuite, si c'est le but de l'auteur, c'est faire une loque passive, c'est autre chose. Mais ça, je sais que parfois je parle fréquemment avec des auteurs qui n'arrivent pas à bien vivre le fait qu'on critique des personnages à eux, et je pense que c'est un travail pour prendre un peu de distance, mais faut pas oublier que nos OC, ensuite ça c'est un petit débat que j'avais mis sur Twitter à un moment, c'est que je ne suis pas des personnes qui voient ces OC comme des enfants, je les vois comme mes créations, on les aime, je les aime, mais si Destiny par exemple était détesté, si la personne a des arguments, hein, s'il me dit pas juste c'est une grosse salope borgne, oui, bah, par j'accepterais. Exemple, s'il dit j'aime pas son côté borné, elle pourrait faire un petit peu plus de concessions, c'est normal. Voilà, c'est ça, du genre, on voit bien à la fin du chapitre que Viggo veut lui parler, elle l'envoie chier. J'apprécie pas ça parce que j'adore Viggo, merde, bref, voilà. Ce genre de truc. Voilà, je comprendrais. Je comprendrais et même je trouverais ça intéressant. Et par contre, oui, on dit bon, je l'aime pas parce que bah elle est moche, c'est moyen quand même comme argument. Ah, Destiny, quand même, elle écrit avec le cul. Ou alors, si on me dit juste, j'aime pas Destiny, elle est conne, je serais... Bon, argumente, s'il te plaît. Tu l'aimes pas, d'accord, je peux pas t'obliger à l'aimer, c'est comme ça, mais... Mes personnages, je les jette dans l'arène et ils aiment et ils sont détestés, mais dis-moi pourquoi tu la détestes. Oui, parce que bah, c'est Chrysalide. Chrysalide, elle va chercher les petits dossiers disant, bon, voilà. Oui, alors en revanche, si vous avez la chance de ne pas me connaître personnellement, faut savoir que j'adore avoir raison. Et je peux être très chiante. Par rapport à ce que vous dites, blablabla, ça j'ai déjà lu. Ah, si le personnage est volontairement rendu comme ça, bah c'est nickel chrome. Bah oui, moi on me dit que j'écris un personnage en disant que c'est une loque et qu'on me dit que c'est une loque derrière, moi je suis content. Hein. Perso, je déteste Destiny parce qu'elle a pris la place de perso principal à Bae. Putain, cet argument. Ouais, c'est ridicule, c'est nickel, personnage principal. Tu parles de Destiny, ce serait du genre, bah qu'il le fasse. Qu'il le fasse, hein. Moi je faisais le ménage dans le couloir à la base. Hein. Et puis on m'a fait, tu veux pas être le personnage principal? Non. Non. Putain, elle est parfaite. Je dois avouer que moi-même, je ne sais pas trop si je change véritablement. Après, les life motifs, ta plume, généralement, la majorité des choses dont... Mais connaître la logique derrière l'univers grâce au life me permet de... Ensuite, parfois, c'est... Parfois, peut-être que je vous dis des choses que vous avez fait sans connaître la méthode, et dans ce cas-là, bah, c'est cool que ça vous conforte. Mais c'est même mieux, en fait. Le truc, c'est que c'est l'équivalent d'un cours au cas par cas. C'est comme si vous faisiez relire votre projet, et si, toi, Karma, en relisant ton projet après les lives, tu te dis « Bah ça va, j'ai tout bon », bah c'est nickel. Alors, je vous rassure, il n'y aura pas besoin d'un spin-off sur Sayika, parce que Sayika sera tellement présent dans NS qu'on saura tout de lui, hein. Donc dites-vous qu'après Destiny, Sayika sera le personnage qui sera le plus présent. Donc ne vous en faites pas pour lui. Et sachez qu'il vit très bien de ne pas être le personnage principal. Au moins il peut manger ses fruits en toute tranquillité. En revanche, il sera sur la couverture du tome 2. Non mais je sais que tu plaisantais. Mais je dis ça très sérieusement parce que... Elle en a rêvé. Oui, j'en ai rêvé. J'ai rêvé que Sayika voulait une série uniquement sur lui. Pas un spin-off, une série. Alors, Mélina, on parle des antagonistes et protagonistes au prochain cours. Oui, parce qu'en fait, le rapport antagoniste-protagoniste, c'est assez à part. En fait, on voulait tout mélanger dans un même live, et puis, en faisant notre petit jogging, on a parlé du sujet des antagonistes, et on s'est rendu compte à quel point c'était riche. Et donc, on préférait un peu plus travailler ce sujet pour pas vous parachuter les informations dans la gueule. La passion du fruit. La passion du fruit. Alors, honnêtement, avec ce rythme, je vais juste commencer à me ramener en stream pour regarder et juste lancer une ou deux blagues parfois. Bah oui. Oh, Edwige. Ça
C'est en fait toutes les personnes qui sont sur le live ne sont pas obligées de participer au live. Hein, bah et, oui. Tu sais, généralement quand j'écoute un live, je participe pas. Mais pareil. Pareil. Si j'ai une question qui me trotte dans la tête, j'attends de voir si quelqu'un la pose et au pire je la pose. Mais. Pareil. Toutes les fois où j'ai regardé des périscopes de Didi ou d'Antoine, en général, je faisais que regarder. Là, il doit y avoir une dizaine de personnes qui participent, mais on est 32, hein. Vous savez, là, je vais pas faire un petit bulletin à la fin de chaque trimestre en disant de devoir un peu plus participer en classe. Attentif, hein. Mais ne participe pas assez. Hein. Alors, fais bien des exercices sur le Discord, mais j'aimerais bien l'entendre un peu plus sur les lives. Peut me faire. Peut mieux faire. Oh, quelle horreur. Oh. Bon, bah, l'air de rien, on a assez vite fait le tour de la création de personnages, enfin, fait le tour. J'ai regardé les notes que j'avais prises et j'ai pu tout placer. En même temps, ce live, il est parfait en fond quand tu dessines. D'ailleurs, je rappelle un petit truc qui est pas forcément fun, mais je vous conseille vraiment d'écrire votre personnage avant de le dessiner. Parce que, en fait, c'est con, mais en l'écrivant, vous allez facilement avoir une image, alors que dans l'autre sens, vous êtes malgré vous influencé en le dessinant déjà. Donc, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, s'il a un surnom, pourquoi il a un surnom? Est-ce que c'est à cause de son physique? C'est de son prénom? Et tout ça, tu peux le mettre dans le chara-design final. C'est un excentrique? Oh, si je faisais une coupe excentrique, etc., etc. Ou alors, c'est quelqu'un qui aime se battre? Ah, il aura forcément une cicatrice quelque part. Visible ou non. Qu'il voudra un surnom ou non. Bah, par exemple, j'avais écrit la personnalité de Viggo avant de le dessiner, et c'est pour ça que je lui ai mis des cicatrices sur le visage. C'est parce que c'est un impulsif, donc il va souvent à la bagarre. Bagarre. Au niveau des questions sur NS et Malou, je peux vous assurer que j'en ai encore beaucoup. Ah bah pas de soucis. En parlant de dessin, regardez. Oui, c'est un forceur, je t'aime, ok. Je gribouille dans mon coin. Mais écoute, c'est bien Régalia. tu écoutes. C'est bien, t'auras un bon point à la fin du trimestre. C'est des Pokémon. le grand chien, il est cool. J'écoute. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Lors des problèmes que vous avez dans l'écriture d'un personnage en général, on a abordé le caractère, on n'a pas spécialement encore beaucoup abordé la psychologie, enfin... ce genre de truc. Ensuite, la psychologie, je pense que c'est mieux que vous documentiez vous-même. Parce que on est ni l'un ni l'autre formé en psychologie, on regarde des vidéos, on se renseigne auprès de personnes qui ont fait des études, etc., etc. Mais en fait, moi, en termes de psychologie, tout ce que je peux vous conseiller, c'est partir d'une problématique, d'un défaut, parce qu'en fait, ce qu'on aime voir, c'est un personnage évoluer et affronter ses propres démons. Vivre avec, réussir à les dompter, pas forcément les annihiler ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, est-ce qu'il les annihile? Est-ce qu'il les dompte? Est-ce qu'il les apprivoise? Est-ce qu'il en fait une force? Il y a souvent la problématique du personnage qui a un traumatisme et qui essaie de le mettre de côté ou de le faire disparaître au lieu de vivre avec et d'apprendre à vivre avec et d'accepter le fait que ça le change. Et qu'il ne sera plus la même personne qu'avant ce traumatisme et que ça ne fait pas pour lui pour autant une mauvaise personne. Plein de thématiques comme ça, c'est... Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire en termes de psychologie. Partez de qu'est-ce qu'il peut affronter. Enfin, quand je parle de démon, c'est pas forcément un traumatisme, ça peut juste être un manque de confiance en soi, un trop gros orgueil. Une perte, ou alors une recherche, ça... C'est ça. Par exemple, dans Berserk, ces démons, avant qu'il y ait l'incident de l'éclipse, c'est fait qu'il n'ait pas de rêve. Et en fait, tout allait bien, et en fait, c'est le fait que contrairement à Griffith, il n'ait pas de rêve ou d'ambition propre, bah ça le travaille. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que bah, c'est Griffith qui va lui créer cette quête en brisant Casca. Donc ça qui est assez ironique. Mais ça peut juste être une personne qui cherche le bonheur ou des rêves. Alors, pas valu plus dans une période d'acceptance de son traumatisme ou la façon dont il a changé? Non. Non, il a accepté son traumatisme. C'est juste que maintenant, il doit apprendre à vivre avec. C'est encore en construction. Disons qu'il a passé le cap où il voulait se venger et faire justice. Ça a été la première étape, en fait, de sa manière de combattre le traumatisme. Il s'est rendu compte que se venger ne changerait absolument rien à son ressenti. Il faut qu'il apprenne... Enfin, il faut qu'il accepte le fait qu'il a vécu ça et qu'il doit vivre avec. Souvent illustré par le fait qu'il ne supporte pas sa prothèse. Et en fait, tu peux montrer comme ça que tes personnages évoluent
dans tout ça, accepter un traumatisme, ça peut être accepter une blessure, accepter de montrer quelque chose, un tatouage, une cicatrice ou n'importe quoi. Ça peut être souvent c'est mis par les cheveux aussi dans les mangas. C'est quand quelqu'un change ou quand quelqu'un va au-delà de quelque chose, d'une faiblesse, Sakura dans Naruto. Sakura dans Naruto, une scène magnifique où Voilà. elle se coupe les cheveux. Elle se coupe les cheveux. Elle abandonne le côté joli qui parce qu'elle avait entendu quand elle était jeune que Sasuke aimait les nanas aux Fille, cheveux longs. oui. Elle accepte, enfin, elle se coupe les cheveux pour en fait évoluer en tant que personnage. D'ailleurs, c'était très bien construit ce passage parce que l'image de couverture, c'est Sakura en train de se brosser les cheveux. Et au moment où elle s'est chopée les cheveux, la nana lui fait la réflexion que si elle avait passé plus de temps à s'entraîner plutôt qu'à se bichonner, elle serait pas dans cette situation. L'une des meilleures scènes de Naruto, je trouve. Les cheveux de Riku dans Kingdom Hearts, c'est très intéressant aussi. Il a les cheveux longs dans Kingdom Hearts 2 parce qu'il s'est abandonné aux ténèbres et les a de nouveau courts après parce qu'il a abandonné ce côté. D'ailleurs, je sais que tout le monde s'était plaint du fait qu'il ait les cheveux courts alors que il abandonne justement sa phase émo du 2. Mais je trouve que les cheveux, c'est un très bon moyen de savoir où on est un personnage. Pavel a les cheveux décolorés parce qu'il a eu sa période Ticon, par exemple. Ouais. Pour ceux qui connaissent Final Fantasy IX, c'est le principe de la princesse Daga aussi, qui se coupe les cheveux pour s'émanciper de telle qu'elle était. Alors, d'ailleurs, j'ai créé un personnage et je me demande s'il est pas parti. Il fait pas partie des protagonistes. Enfin, il fait partie des Mais. antagonistes. Attends, elle ne fait pas partie des antagonistes, mais elle ne fait pas partie. Anti-héros? Bah, anti-héros. Oui, dans les Ghibli, c'est très présent dans les Ghibli, les cheveux d'ailleurs. Les cheveux Oui. font partie de ça, mais c'est pas obligatoire. Mais souvent, ça marque un changement. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation physique, d'un changement. Voilà, bon ensuite, s'il le fait juste parce que c'est un peu le passage obligatoire et que tous les héros, surtout féminins, le font, ça va être un souci. Mais si vous arrivez à bien le placer et à y mettre une forte symbolique. Mais vous savez, c'est pas seulement dans les histoires. Généralement, quand une personne, par exemple, sort d'une dépression ou veut sortir d'une dépression ou veut sortir d'un moment difficile de sa vie, il change un truc sur lui. Il va se faire faire un tatouage, il va se percer les oreilles, ou il va se couper les cheveux, il change de couleur de cheveux, il change de vêtements, il se dit putain, j'ai envie de faire un voyage, ou ce genre de conneries. Ça montre en fait qu'on veut changer, qu'on veut avancer. Donc voilà, on n'est pas formé en psychologie, mais c'est le genre de choses que tu vois clairement quand tu vois une personne qui sort d'une zone sombre et qui cherche à aller de l'avant. Et c'est souvent représenté dans les BD, les films, etc., par un changement physique. Et parfois, c'est juste faire le ménage chez soi. C'est Déménager, acheter un chien, un chat. ça. Par exemple, pour parler d'une personnalité réelle, Emma Watson a voulu montrer qu'elle s'émancipait du personnage d'Hermione en se coupant les cheveux à la garçonne. Voilà, ça fait très personnage de shoujo quand même. Oui, voilà. Dans Buffy contre les vampires, l'acteur qui joue Spike en avait tellement marre que tout le monde le voit comme Spike qu'il a rasé ses cheveux blonds. Pour faire comprendre que c'était fini. C'est plein de symboles comme ça en fait. Et en fait, on voit que ça se fait également dans la réalité parce que Jess Masters et Emma Watson sont des personnes qui existent. Donc bah, c'est là que c'est on en revient, c'est intéressant de créer le design du personnage après avoir créé son Exactement. caractère. Tu te dis il a une période un peu rebelle et tout ça, tu fais bah il aura des tatouages ou il aura Reste de cette période. des restes de cette période. Et peut-être que cette période était très sombre. Par exemple, prenons quelqu'un qui a été enrôlé, je sais pas, chez les néo-nazis, il a une croix gammée, plus tard il se fera recouvrir le tatouage ou ce genre de conneries. C'est ça, le jour où il va se dire je peux pas continuer d'avancer avec ça et temps de passer à autre chose et le recouvrir, c'est pas de la fuite quoi. Amélie, l'anti-héros, j'y avais pas pensé, c'est un personnage qui sait beaucoup de choses et qui nanana. Ah oui, mais de toute façon, il peut y avoir des personnages qui ne sont pas dans les deux camps. Il y a l'entre-deux, hein, en général. Mais même, il n'y a pas vraiment de camp dans la notion d'anti-héros. Voilà, c'est ça. C'est un personnage auquel, par exemple, tu ne peux pas l'identifier parce que tu le trouves bah, trop extrême ou trop mauvais, mais qui réussit à faire des bonnes choses aussi parfois. Je pense à Dr. House. Oui, ou Rock dans HP. Voilà. Tu peux pas te caler sur le rythme de vie de Dr. House. Non, c'est un drogué. Ou encore, Rogue fait certes des choses pour sauver Harry, mais reste qu'au cours du roman, il a des comportements qui sont totalement discutables. Il le bully quand même la plupart de ses élèves. Et l'avantage des Serpentards par rapport au Gryffondor, ça reste que même si par rapport au combat contre Voldemort,
Il a été exceptionnel. En tant que prof et humain, c'est une personne abominable. Je parle à des personnes trans qui disent qu'après la transition, ils aiment penser la personne qu'ils étaient avant la transition comme une personne différente. Je vois ce que j'étais avant comme une personne différente. Hein. C'est souvent le cas. J'arrive pas à m'identifier à ce que j'étais avant. Est-ce que t'arrives à m'identifier à ce que j'étais avant? Non. Non, c'était... Non, c'est trop bizarre. En fait, le truc, c'est que je pense que t'es une personne différente avant, ton coming out, ta transition, parce que tu es quelqu'un d'autre, techniquement. Tu t'efforces d'être quelqu'un d'autre. Et c'est pareil, du coup, pour les personnages. Ensuite, je te vois pas comme une personne différente, je te vois comme une évolution de toi. Voilà, c'est juste que... Il y a des personnes, souvent des proches de ma famille, qui m'ont dit que j'ai changé après avoir fait mon coming out et ma transition. Je dirais plutôt que bah, je suis heureux, c'est pas pareil. C'est ça, je vois plus ça comme une évolution que comme une autre personne. J'étais une personne triste avant, et dépressif, mais... c'est effectivement une personne à qui je peux plus m'identifier. Mais l'exemple de la transition, c'est très intéressant parce que ça reste une évolution. En plus, une évolution pour être heureux. Oui. Donc, j'irais pas jusqu'à dire qu'on peut voir ça comme une autre personne, mais qu'on peut voir ça comme une évolution de la personne qu'on était avant. Une évolution, une bonne évolution. T'as évolué façon Pokémon, quoi. Voilà. T'es plus puissant. T'as une autre forme et tu es plus puissant parce que tu es plus confiant en toi et plus heureux. J'imagine la parodie, Salika qui veut faire pareil en se coupant les cheveux, il hésite, puis il se coupe la petite mèche. Il aurait pas besoin de faire ça, Salika. Il est déjà très bien dans sa peau. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que Salika n'est pas un personnage principal, il est bien dans sa peau, et ses démons intérieurs, faut les trouver, hein. Faut creuser profond, mais il en a. Le principe de l'évolution, identifier la personne comme elle est après son évolution, plus qu'elle était avant. Je vais identifier la poule au raptor. Je vais identifier la poule au raptor du Jurassic Park. Bah, c'est sûr que si une personne évolue, tu vas pas lui rappeler constamment ce qu'elle était avant, quoi. C'est totalement con. Mais Rogue est un bon exemple de personnage neutre parce que il a servi l'intrigue, l'histoire et le combat, mais a fait des trucs discutables. Ce qui fait qu'on peut pas le classer gentil ou méchant. Il est neutre. Il est pas tout blanc, pas tout noir. D'ailleurs, c'est bien quand les persos ne sont pas tout blanc ou tout noir. Deuxième pause toilette. Bonne chance. Merci. Mais c'est gênant comme tu me laisses tout seul devant la caméra, moi je sais pas quoi dire. Oh, bah débrouille-toi un peu. Hein. On va meubler le chat, du coup, chaise, table, minou. Étagère, minou. Meuble TV. J'ai plus d'idées. Mais... Ah bah bonne soirée. Est-ce que le défaut traumatisme du protagoniste peut ne pas avoir un gros rapport avec l'histoire? Encore une fois, quand on écrit le caractère d'un personnage, on sait qu'il a eu un traumatisme et tout ça, et on cale ce traumatisme généralement sur le fil rouge et l'univers derrière. Donc, ensuite, on va attendre l'explication de l'experte. Reste posé et confiant. Je suis posé et confiant. Je suis à mon bureau, et vaut mieux. Par contre, cette lumière est dégueulasse. Hop. C'est peut-être un peu mieux, là. Mais c'est peut-être un peu sombre, aussi. Tant pis. Je reviens. La lumière commence à être dégueulasse. Hop. Ah, bah y'a plus personne devant les gens. Non, ils nous entendent. Voilà. D'accord. Pas le moment de dire que je les aime pas et qu'ils sont moches. Non, ils savent qu'ils sont moches. Fais les choix, allez. Question intéressante, dépêche-toi. J'arrive. Bouge ton boule. J'arrive. J'ai trouvé ça. T'as vu? Ok, je garde ça. Et toi, tu t'assois. Ouch. C'était mon pied. Alors, c'est ici. Est-ce que le défaut traumatisme du protagoniste peut ne pas avoir de gros gros rapports avec l'histoire? Oui, tout à fait. Comme on disait, hein, on crée le caractère avant, donc... Tout à fait. Ça peut toucher indirectement l'histoire. Par exemple, dans Never Surrender, ce qui est arrivé à Destiny, ne touche pas directement l'intrigue principale. Mais ça l'a touché elle, et ça influence sur l'intrigue, parce que justement, les agissements qu'elle a peuvent perturber l'intrigue. Donc ouais, c'est pas obligé que ça touche direct l'histoire. On boit de l'eau, décaté. C'est pour ça que je vais aux toilettes depuis tout à l'heure, d'ailleurs.
C'est pas obligé que ce soit un personnage propre à l'intrigue qui ait causé le traumatisme. Voilà, Subaru le dit très bien, il faut que le perso puisse exister par lui-même, sans devoir dépendre de l'univers. Et en fait, ce que je me dis souvent, c'est que Destiani, qu'importe l'univers, est un personnage qui aurait vécu un traumatisme déjà parce qu'elle a sa cicatrice, mais ça peut arriver de différentes manières. Ça peut être un accident, ça peut être une agression, ça peut être plein de choses. Mais oui, le traumatisme n'est pas obligé de toucher directement l'histoire. Tiens, parle de... C'était l'exercice où tu devais créer un personnage et pouvoir le... Ah oui, c'est un de mes collègues qui avait ça. Alors, un de mes anciens collègues avait fait un exercice qui était très intéressant et très dur. D'ailleurs, ça touche autant la création d'univers que la création de personnage, ouais. Je pense que c'est bon. Ouais, enfin, il faisait pas trop de création d'univers parce que c'était des tout petits exercices. Il devait créer un OC, juste la personnalité, sans lui créer de passé ou quoi que ce soit, et créer trois histoires de trois genres et à trois époques différentes où en fait l'OC restait le personnage principal. Donc il y avait une histoire qui était de la tranche de vie, une histoire qui était de la guerre médiévale, et je crois que l'histoire c'était un truc avec de la psychotélékinésie. Et en fait à chaque fois ça devait rester le même personnage principal avec la même problématique, mais à chaque fois ça se réglait d'une manière différente. Voilà, même caractère, même défaut, enfin même défaut principal. Mais vu qu'à chaque fois ça ne touchait pas l'histoire, ce qui lui était arrivé, et ben à chaque fois ça avait une influence différente. Alors, karma. Alors, d'ailleurs, juste une petite question, HS, mais est-ce que tu penses prendre une petite pause maintenant que le chapitre 7 est terminé, Krisa ? Par rapport à NS, oui, mais pas par rapport au dessin de manière générale, parce que je vais commencer les goodies de Japan Expo. Et par à côté, j'ai commencé à écrire le chapitre 8, mais à partir de Japan Expo, je ne prendrai aucune pause jusqu'à ce que le tome 2 soit fini. C'est parce que dans ma tête, j'ai une sortie pour le tome 2, je ne vous la dirai pas, parce que sinon il va y avoir de l'attente et je vais être stressée. Mais j'ai, on va dire que pour les deux prochaines années, j'ai un planning en tête et je compte m'y tenir. Alors, Maromika, par contre, j'avoue que j'ai imaginé son physique au moment où j'ai créé le personnage. Ah, mais si t'as physique en tête tout en créant le personnage, Imhotep, hein. Tu peux rajouter plus ou moins des détails par rapport à ton histoire. Donc voilà, donc l'exercice que je vous ai donné, il faut savoir que moi, je ne l'ai jamais fait. Ça peut être intéressant. Mais ça peut être intéressant. Mon collègue l'avait fait parce qu'il a laissé tomber le dessin pour se spécialiser dans le scénario, donc il avait des exercices en scénario très compliqués. Moi, j'avais également des planches à faire à côté, donc j'avais des exercices un peu plus classiques, donc création d'univers, création d'OC, etc. Exercice intéressant, par exemple, si t'arrives pas à créer de personnage, mais que t'as besoin d'un personnage en particulier, tu peux prendre un adoptable. Et avec cet adoptable, tu peux lui créer autant de backgrounds, autant de trucs différents que tu veux. Et ça peut être un bon... si tu sais pas de quelle base partir pour un personnage, tu prends un adoptable. Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose de genre avec Destiani ? Oui, mais je le ferai pas. Mais je sais que dans ma tête, il y a un monde parallèle où tous les personnages de NS vivent à une autre époque. Oui, c'est ce fameux... D'ailleurs, Destiani est étudiante en littérature moderne. Voilà. Et il reste qu'elle a toujours sa cicatrice, c'est juste qu'elle est toujours aussi renfermée, et toujours un peu passive-agressive, voire agressive tout court, voilà, quand elle est fâchée. Tu prends ton personnage, tu dis comment il réagira dans telle situation à telle époque avec tel personnage. Bah, elle resterait pas enfermée, elle irait à la fac, elle aurait un petit job pour revenir, pour payer son loyer, mais c'est juste qu'elle aurait pas forcément, elle irait pas boire un coup avec ses collègues ou avec ses camarades de fac, et elle ferait sa vie de son côté. Bonne nuit. Bonne nuit. D'ailleurs, ça peut être un très bon exercice si vous avez un personnage dans un monde. Vous vous dites, est-ce que mon personnage fonctionnerait à notre époque ? Donc oui, ça changerait des choses, mais s'il est vraiment pas imbriquable, c'est qu'il y a un problème. Même si c'est une autre espèce ou un truc comme ça, hein, s'il faut que vous l'humanisiez pour que ça rentre, humanisez-le. Hein. Ouais, dans cette version, Destiani a pas ses oreilles et sa queue. Hein. Bon, ensuite, j'imagine avec les cheveux blancs, sinon c'est trop chelou, mais bon, bah au pire, elle est albinos, voilà, enfin. Je me dis qu'elle est albinos. Ou qu'on est dans un putain de manga et qu'elle est née avec les cheveux blancs et basta, on s'en bat les couilles. Voilà, il y a des personnes qui naissent avec des cheveux blancs, sans être albinos. Mais voilà, donc je ferai pas cet exercice avec Destiani, mais je peux imaginer Destiani dans différents univers. Ensuite, Destiani est un personnage que je consacre à NS. Mais ensuite, j'ai pas trop d'OC hors NS parce que le principe de créer des OC SDF n'est pas trop ma cam. Ensuite, ça te promène partout et tu sais pas quoi en faire. Trouve
Casse-toi une baraque, bordel. Voilà. Ah. Donc voilà, donc un petit résumé des exercices si vous voulez en faire. Par rapport à la création de monde, faire un petit one-shot écrit très rapide concernant la faille, avec un personnage créé uniquement pour qu'il titille la faille, et voir ce que ça pourrait donner. Donc vraiment une sorte de spin-off en fait, rien à voir avec l'univers que vous voulez créer après. Et qui sait, peut-être que vous avez tellement aimé le personnage que vous avez créé que vous allez en faire votre personnage principal pour après, hein, ou un personnage secondaire, ou l'antagoniste, ou j'en sais rien. Ensuite, il y a le fameux exercice du restaurant. Petit rappel, on apporte un plat au personnage. C'est pas le plat qu'il a commandé, c'est un plat qu'il aime pas. Comment il fait ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il réagit ? Ensuite, il y a le test du MBTI. Ensuite, semblerait qu'il y ait des techniques pour typer une personne sans passer par le test, mais je ne connais pas les méthodes, donc je vais vous proposer le MBTI. Et ensuite, si vous êtes un peu hardos, créez un OC pour essayer de le mettre dans différentes petites histoires différentes. Et là, je vous conseille des genres et des époques différentes. Alors, quand tu dois faire des personnages qui sont des figurants, jusqu'où on peut aller ? Pas des figurants, des José, non, tu non, veux non, dire ? Non, 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 de personnages secondaires ou tertiaires, parce que les figurants n'ont pas de personnalité. Alors, je vais vous montrer ma pyramide de l'importance. En bas, t'as les José. Donc, et... c'est les gens qui passent dans la rue et tu t'en bats les couilles. Tu ne leur imagines pas d'histoire, c'est juste des visuels. Voilà. Ensuite, t'as les Jean-Michel, qui sont en dessous les personnages... les personnages tertiaires, donc c'est ceux que tu ne nommes pas mais qui entrent dans, tu sais, un antagoniste random, c'est les PNJ DJ dans, voilà, les jeux vidéo. C'est souvent par exemple un groupe de mercenaires où tu peux pas les nommer, ils sont juste là pour tabasser le héros, hein, en gros. Ensuite t'as les personnages tertiaires, donc eux ils ont un nom. Ouais. C'est souvent la bibliothécaire dans le coin où tu viens souvent lui demander des livres, elle a un nom, elle a un prénom, hein, elle peut avoir un passé, on s'en bat les couilles. Tu peux lui faire une fiche personnage. Voilà. Et ensuite, t'as les secondaires et les principaux, qu'on met plus ou moins dans le même panier, hein, c'est ceux qui sont récurrents dans l'histoire. Voilà, et ensuite, personnage principal, slash antagoniste, ils sont au même niveau. Voilà, protagoniste, antagoniste, au même niveau. Ouais. Donc, t'es José, tu t'en bats les couilles. C'est ça, donc si tu parlais plus des personnages secondaires et tertiaires, t'es pas obligé de leur faire un traitement aussi poussé que le personnage principal. Dans le cas de secondaire, je trouve que c'est quand même bien qu'ils aient une profondeur, parce qu'ils vont quand même être récurrents. Mais tertiaire, tu peux... Ça dépend ce que tu veux en faire, mais tu peux juste te contenter d'un trait de caractère récurrent, etc. C'est en fait, faut que tu réfléchisses à est-ce qu'on le voit assez fréquemment pour s'y attacher, pour vouloir en savoir plus. Tu peux aller jusqu'au tertiaire pour ça, je pense. Mais au-delà, ça sert strictement à rien. Voilà, les José, les Jean-Mi. Salut Tana. Oui, ça, mais c'est les... Donc, sachez que si au cours des lives, vous entendez parler des José, c'est les figurants. Ah ouais, mais les Jean-Michel, tu t'en tapes, oh, les Jean-Michel, tu t'en tapes. Sur le coup, ils peuvent avoir un but, une ambition. Sur, bah, dans Mine, dans le chapitre 2-3, il y a un Jean-Michel qui s'attaque à Mine. C'est celui avec la coupe sur le côté, tout ça. Il a un visuel et tout ça, mais il ne réapparaîtra jamais après ça, quoi. Il s'est fait péter la gueule. Il s'est fait péter la gueule par Alex, en plus. Ça, c'est un Jean-Michel. On le reverra jamais. Donc, éventuellement, c'est vite fait, il a une ambition ou un thème qui s'oppose à celui du héros, ça peut... vite fait créer une tension en mode de ton personnage qui se défend pour ses valeurs. C'est plus un tertiaire du coup. Ça dépend, s'il fait juste quelques chapitres, ça fonctionne quand même. Hein. Ou alors il passe que quelques chapitres, mais il fait capter quelque chose à ton personnage. Je pense à la première seconde tueuse dans Buffy, hein, qui fait comprendre à Buffy l'importance de sa mission. Ils peuvent apparaître le temps de quelques épisodes et transmettre un message. Un message que soit le personnage principal va contrer, soit va accepter et un peu évoluer, soit y réfléchir plus tard. C'est des personnages à usage unique. Voilà, c'est ça, ils sont à usage unique, mais tu peux en faire un usage intéressant, quoi. Ah, tiens, un moment, quand je faisais Mine, je faisais beaucoup de screens pour montrer en fait mes planches, et bah tout le monde a appelé les figurants les José, hein, c'était très très drôle. Voilà. Donc le Jean-Michel peut avoir une utilité, il peut transmettre une information qui peut être utilisée soit sur le moment, soit retardement. C'est beaucoup utilisé dans les séries des années 2000, généralement le début de Supernatural, ou alors Buffy, Charmed et tout ça. C'est les personnages d'unique épisode ou deux. Mais qui disent une chose qui va marquer.
C'est très utilisé dans les séries, en effet. Dans les séries façon Buffy, Supernatural et Charmed. Aller acheter la baguette, son but, empêcher le personnage principal de pouvoir se faire pas griller, son intérêt, aucun. C'est à peu près ça, oui. Donc voilà, c'est... Je sais que... vos personnages à usage unique, ils vont plus apparaître dans le scénario que dans le synopsis, vu que dans le synopsis, il n'y a que vos personnages récurrents qui sont présents. Donc, pour rappel, la différence, c'est que synopsis, c'est une liste de tous les passages importants de votre histoire. Scénario, c'est la version détaillée. Mmh. Et donc, là, dans le scénario, vous placerez des personnages à usage unique. Par exemple, dans Never Surrender, la Sylvanienne qui se fait péter le dos contre la table parce qu'elle a voulu toucher le bandage de Destiny, elle est à usage unique. C'est une Jean-Mi. C'est une Jean-Mi. Peut-être qu'on la reverra parce que c'est une Sylvanienne de compagnie d'une pote de Mylène. Mais elle va pas, elle sera jamais récurrente. C'est... Je sais qu'elle s'appelle Ran, mais je lui ai donné un nom parce qu'il y a une de ses potes qui l'interpelle, quoi. Mon dieu, Jean-Mi a un nom. Oui, oui, c'est une Jean-Mi qui a un nom. Elle est gâtée, elle. Mais cependant, je peux pas dire qu'elle est tertiaire parce que elle apparaîtra pas de manière récurrente et elle aura aucune utilité. Je vais faire... Je vous illustrerai ma pyramide de l'importance, vous en faites pas. Voilà, vous pourrez la mettre sur le Discord et bien vous marrer, aussi. Putain, faudrait pas qu'un jour on fasse une sorte de manuel d'aide, les gens vont rien comprendre entre moi et mon exemple. T'imagines, ils en font un langage commun. Oui, monsieur, j'ai un José dans le j'ai son. J'ai un José. Non, pas Ranma un demi. Genre, t'imagines, c'est comme si je reprenais mon exemple des crevettes de la semaine dernière et toi que tu parlais des José. Hein. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire si mon Jean-Mi est bien placé, là? Quoi? Alors, moi, je veux faire un monde plus crevette. Quoi? Alors, est-ce qu'un Jean-Michel peut être la source du conflit pendant le reste de l'histoire? Dans le manga Jackal, un Jean-Michel, membre de la mafia, se fait défoncer par le héros. Ça peut. Dans ce cas-là, c'est pas plus le personnage qui est intéressant, c'est l'acte. Bah oui, bah, il faut encore pour prendre les séries des années 2000. Souvent, un épisode commence par un meurtre random, mm-hmm. et un Jean-Michel se fait assassiner, et c'est le début de l'intrigue. Voilà, c'est ça. C'est... Donc là, oui, c'est plus un acte à l'encontre de la mafia via un Jean-Michel. Voilà, c'est pas forcément le personnage qui est intéressant, c'est l'acte qui a été mené sur lui qui est intéressant, mmh. et les répercussions, donc oui. Personnage fonction. Ah oui, 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 c'est des personnages fonction, mais en fait, un personnage fonction, tant qu'il est pas principal, secondaire, c'est pas un problème. Bon, Jean-Mi, là, tu vas te faire tuer dans la ruelle, mais j'ai pas envie. Bah, c'est ton but, hein. Voilà, on va dire que le personnage fonction, ça devient péjoratif à partir du moment où c'est un personnage récurrent qui ne sert qu'à faire une chose, et là ça devient chiant. Là notamment, à se faire tuer. Voilà, mais si le personnage apparaît juste un temps pour se faire tuer, pour amener un effet boule de neige, bah si, carrément. Donc voilà, sachez que les Jean-Mi servent à l'effet boule de neige. Voilà. Prenez vos notes. Donc voilà, Jean-Mi, c'est pas la source du conflit, c'est l'acte à l'encontre de Jean-Mi qui est la source du conflit. Mais c'était une... Je sais pas qui a posé la question de figurants et tout ça, mais c'était une très bonne chose parce qu'on n'avait pas du tout traité ça. Je crois que c'était Subaru. Eh ben, c'était une très bonne idée d'en parler. Les Subaru, enfin, les gens, ils sont faits pour la mort. Oui, plus que les José, d'ailleurs. Voilà, et les José, tout à la fin, alors là, vous en bacchettez les couilles. Oui, voilà, c'est la foule. Les José, voilà. C'est la foule. C'est truc, une entité. Le seul truc qui sert, c'est que c'est un contexte. Ça peut être un contexte social. Ça peut être un contexte pour montrer s'il y a une diversité ou pas. Par exemple, ce ne sera pas la même chose si tout le monde a la peau blanche ou s'il y a des gens qui ont la peau blanche, la peau noire, etc. En fait, ça peut donner un contexte économique et social. C'est à ça qu'ils peuvent servir les José, ou montrer qu'un endroit est peuplé ou pas. Mais c'est la seule fonction qu'ils ont, ou montrer la tension aussi. S'ils font la gueule, s'ils sont effrayés... Ils n'ont souvent pas d'yeux, les José. Hein, Oui, d'ailleurs, ça, la rare fois où j'ai parlé avec un éditeur, il m'a fait la remarque et j'étais sérieux. C'est le pire taf du monde. Je trouve que c'est moins que les Jean-Mi, quand même. Ouais, mais au moins, les José, on les fait pas chier. Oui, eux, quand ils vont acheter du pain, ils y vont, ils rentrent à la maison. Voilà. Le Jean-Mi, il y a des chances qu'il se fasse tuer en route. Hein. Voilà, au moins, tu te retrouves pas dans les merdes du personnage principal. Moi, je dis José forever. Ouais, je suis José. Je suis José. Oh putain, je vais faire des badges José et Jean-Mi. Donc voilà, donc plus sérieusement, dites-vous que le taf des figurants, ça peut vous permettre de mettre un contexte, montrer si l'endroit est peuplé, l'humeur des gens, s'il y a de la tension, s'il y a un truc qui les intéresse, etc. Ça sert à montrer l'ambiance globale et le contexte économique et politique, etc. et toutes ces conneries. Alors, bonjour Michel, on a besoin d'un mec qui fasse écraser par la voiture du méchant pour lancer l'intrigue. Oui, mais c'est ça, c'est con, mais c'est ça. Mais moi, je voulais juste traverser la rue pour trouver un boulot, monsieur. Putain, t'es con. Ce qui est marrant, c'est qu'il
l'histoire, on parlera justement beaucoup des José. Bah, le José, c'est la foule, hein. Bah, c'est oui, donc quand tu fais une création d'univers, forcément, les José, tu les prends en compte. C'est la peuplade. Ensuite, ça peut être intéressant qu'une personne qui se promenait parmi les José, au final, de l'intérêt. C'est une technique très employée. Par exemple, à la base, Mylène devait être une Jean-Michel, elle a été gradée personnage secondaire. Waouh. Elle a eu un putain de grade, la Miss, hein. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire personnage tertiaire. Non, secondaire. Je me souviens avoir lu une toute petite BD de quelque part qui racontait l'histoire d'un Jean-Mi qui pense être le héros d'une histoire et qui meurt direct. Putain, fabuleux. Mais ouais, parfois, en fait, votre... Bon, ensuite, ça fonctionne surtout pour les personnes qui sont jardiniers ou randonneurs. S'il y en a qui voient pas ce que c'est, je ferai un petit retour dessus. C'est qu'au final, parfois, t'as un personnage qui n'a qu'un certain degré de rôle, et au final, tu dis qu'il est tellement intéressant à exploiter que tu le fais monter en grade. Bon. Oui, c'est souvent le cas dans les séries. C'est souvent dû à la réception des personnages ou à la prestation des acteurs. Les personnages de Anya et de Spike dans Buffy. Je prends souvent l'exemple dans Buffy parce que c'est une excellente manière d'utiliser les acteurs et les personnages. Du jardinage de qualité. Oh, c'est du jardinage, mais... Oh, comme ça! Et en fait, les acteurs ont été tellement excellents dans leur rôle qu'ils ont été présents jusqu'à la fin de la série. J'ai osé beuver la peuplade de notre univers. Ça va beaucoup trop loin. Donc voilà, en fait, j'aime bien penser, quand j'écris mon histoire, que je suis metteur en scène et que mes personnages sont des acteurs. Et que, en fait, selon la manière dont je les vois se mouver dans l'histoire, je me dis... Enfin, se mouvoir dans l'histoire, je vais me dire... Tiens, mais en fait, tu peux avoir tellement plus d'intérêt que ce que je voulais. Ou parfois, je vois le public avoir une telle réaction que, non pas par fanservice, mais par réflexion, je me dis... Putain, mais j'ai peut-être un potentiel à utiliser là, peut-être que je suis passée à côté. Bon, ensuite, faites pas ça par fin de service juste pour faire plaisir au public, hein. Faut vraiment avoir un truc à exploiter, hein. Faites pas juste apparaître le personnage en mode « Mon Dieu, je suis là! J'ai aucune utilité, mais je suis là !» Tu remarqueras qu'on passe souvent du Jean-Mi à secondaire, et le tertiaire est souvent oublié d'ailleurs. Oui. Mais en même temps, le tertiaire, c'est un peu de la tapisserie. Bah, c'est les fonctions, en voilà, fait. Moi, je sais que mes tertiaires, c'est tous ceux qui occupent les tâches à Auxalis. Hein. Fonction récurrente, bien sûr. Oui, récurrente. C'est la bibliothécaire dans Harry Potter, quoi. Voilà, c'est ça. Ou l'infirmière, voilà. Au final, on saura jamais rien de leur vie. Voilà. Mais ils sont là, et voilà. Les gens les connaissent. Voilà, c'est ça. Les gens peuvent les nommer, les tertiaires. Et Jean-Mi, il y a moins de chance, hein. Encore des profs obscurs comme le prof d'histoire de la magie dans les romans, quoi. Les deux ninjas récurrents dans Naruto, souvent les surveillants, celui qui a un bandage sur la gueule. Oui. Ces deux gars que tout le monde appelle. Tout le monde sait qui c'est, mais tout le monde s'en fout. Grave. Pomme fraîche, voilà. Faire apparaître et disparaître les persos au pif et sans explication aucune. Ça s'appelle parachuter son personnage. Et oui, ça ne se fait pas, c'est sale. Je vais pas dire la fin de la phrase. Ah! Madame pense à la bibliothécaire, ouais. Donc, bon, en revanche, quand un personnage est important, oui, ne faites pas venir et aller comme si c'était la fête du slip, comme quoi. Comme si c'était Miyazaki. Ouais. Au studio Ghibli. Oui! Oui! C'est le gars en mode je prends ma retraite! Non, je reviens! Je prends ma retraite! Putain, mais vous faites de la merde! Je mangerai un truc avant qu'on aille faire le jogging, je rêve la dalle. Oui, on va faire ça. Les beurre de cacahuète. J'ai la reproduction de la baguette de Madame Pomme Fraîche, t'aimes vraiment le truc obscur, toi. Nous, on a Sirius et Lupin. D'ailleurs, Sirius Black est un excellent personnage en termes d'écriture parce qu'il est clairement du côté des gentils. C'est clairement un allié de Harry. C'est clairement un personnage secondaire. Cependant, il a des défauts comme As, le gars. Il reste quand même qu'il est impulsif, qu'il est immature, qu'il ne peut pas s'empêcher de voir le père de Harry au travers de Harry. Il est fier. Il est fier as fuck. Mais en fait, tous ses défauts, dans un sens, parfois sont des défauts, parfois sont des qualités. C'est quand même le gars qui est le premier à aller faire la bagarre, quoi.
on peut ne pas aimer Sirius, et je comprendrais qu'on ne puisse pas aimer Sirius. Voilà, moi, j'adore Sirius de toute mon âme. Mais à chaque fois que je relis l'Ordre du Phénix, il y a des moments où j'ai envie de lui mettre des claques, hein. Mais souvent, les personnes qui aiment bien Snape, ou ont de l'empathie pour Snape, détestent Sirius. Moi, j'adore les deux, mais reste que Sirius a été un putain de bully quand il était ado. Oh, en personnage tertiaire qui est récurrent quand même, par exemple, tu as le père de Harry, enfin les parents de Harry. Mm. Alors... C'est le chien qui casse sa laisse tous les 50 mètres, mais tellement. Mais vous n'êtes pas mort, espèce de connard. Oui, mais je vais mieux. Vous faites du jogging ou activité physique? Ouais, il faut. Bah en même temps, on fait pas un boulot qui est spécialement physique, donc... On fait difficilement des pompes en écrivant ou en dessinant. Bah si, voyons, tout non, le bah temps. Oui. Votre avis, il a été fait comment, le chapitre 7? Avec ma sueur. Moi, je fais, j'écris en traction. Non mais juste Minerva McGonagall, best personnage. Oui. Ever. Ouais, mais non, mais elle est badass. Juste. Elle est géniale. Un de mes personnages féminins préférés. Ouais. Dans le monde de la fiction, d'ailleurs. Oui, tout court, juste. Putain de Minerva McGonagall, quoi. Bref, c'est une petite crise de fangirlisme. Mmh. Voilà, vous voyez, ça peut donner ça, une bonne écriture de personnage. Et là, on peut parler de charisme. Très complet, en plus. Oh, mais McGonagall, elle est assez fabuleuse. Et d'ailleurs, J.K. Rowling est très douée pour semer des petits indices de choses qui sont pas forcément dans l'histoire même. Donc, il y a pas longtemps, j'ai écouté les livres audio. Et en fait, à un moment, dans le tome 2, il est dit que McGonagall laisse Harry et Ron aller voir Hermione qui est à l'infirmerie à cause du basilic. Mm. Et qu'en fait, après les avoir laissé faire, elle s'en va en pleurant. Alors c'est quand même McGonagall. Mm. Et en fait, il a été dans le Wikipédia de McGonagall, il est dit qu'elle a perdu sa sœur à cause des mange-morts. Et du coup, en fait, ça lui aurait rappelé ça. Et je trouve ça génial, ce genre de détail. Et voilà, les personnages de J.K. sont suffisamment complets pour qu'on puisse ne pas les aimer ou les trouver mains. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'ils sont mal écrits. Mm. Sirius a une complexité, mais différente de celle de Snape. Mm. Reste quand même qu'il est du côté du bien alors qu'il a fait d'énormes conneries, et pas seulement des conneries vis-à-vis du règlement, quoi. Ça a quand même été un putain de sale gosse. D'ailleurs, j'aime bien comment il est en mode « Oui, ok, j'ai fait des conneries. Oui, mais c'était Snape. » Oui, grave, le gars, on il s'en a... tape. Voilà, le gars, il a... Il démord pas, quoi. Voilà. Avec Lupin qui IPP à côté. Lupin, best perso. D'ailleurs, Sirius n'aurait pas le même intérêt s'il n'y avait pas Lupin. Mm. Lupin, ça va dire, c'est son contrepoids. Mais voilà, en fait, chaque personnage peut faire débat et peut avoir une complexité, peut être détesté ou aimé. Et c'est ça l'intérêt. Il y a des personnes qui adorent Sirius, des personnes qui détestent Sirius et des personnages qui sont indifférents à Sirius. Mm. Et c'est ça le bon exemple. Et l'autre exemple, c'est des personnages mis ensemble peuvent créer un équilibre. Par exemple, on peut ne pas forcément aimer Sirius, mais aimer le duo entre Sirius et Lupin, mmh. qui est un excellent duo. 12 ans, putain. Azkaban. Bon, voilà, encore, j'adore Sirius, mais j'avoue que j'ai jamais été dans le trip d'être à fond sur les maraudeurs. Ça reste quand même un groupe de bully, hein. Mmh, oui. Ouais, mais on va pas lancer sur Lupin, sinon il y en a un qui va... Mais je les aime. Ouais. Oui, bah chip dynamique, on est d'accord. Maromika, on va pas retourner là-dessus. Non, Maromika. Putain, même un personnage comme Lockhart arrive à avoir des gens qui l'aiment, si ça c'est pas une qualité d'écriture. Non, mais il est génial, Lockhart. Mm. Il est vraiment génial en écriture. C'est vraiment... En plus, c'est un cerf d'aigle. Déjà, à la base, c'est un original et c'est quelqu'un qui en a dans la caboche. C'est juste qu'il s'est complètement laissé bouffer par sa popularité. Mais c'est ça, le gars, en fait, quand il parle de ses espoirs, il y croit. Il y croit de ouf. Il y croit de ouf. C'est typiquement des mythos, d'ailleurs. Ils finissent par croire leurs propres mensonges. C'est ça. Mais J.K. est très réaliste dans son écriture de personnages, et pourtant à tous les âges, parce qu'elle traite aussi bien des adultes que des adolescents. Mm. D'ailleurs, ça, c'est un truc auquel il faut faire gaffe, la tranche d'âge que vous traitez. N'écrivez pas de la même manière un enfant, un adolescent et un adulte. Et encore une fois, prenez en compte la classe sociale de l'enfant, de l'adulte ou de l'adolescent, son intelligence, qu'elle soit du coup au niveau de la culture ou tout simplement son intelligence, disons, pure.
il faut que vous preniez en compte énormément de critères quand vous écrivez, surtout les dialogues. Oui, donc en fait, une fois votre personnage, il y a les bases. De toute façon, ça, vous pouvez le mettre dans la création de personnage quand vous le faites, dans la partie, entre guillemets, passeport, sa classe sociale et tout ça. Mais réfléchissez, quel âge il a, quelle expérience il a de la vie, à quel système économique est-elle habitué? Est-ce qu'il est habitué à rouler sur l'or ou est-ce qu'il a pas beaucoup d'argent et du coup ça l'a renforcé? Est-ce qu'il sait écrire? Est-ce qu'il sait lire? Enfin, c'est pas genre... pareil s'il est analphabète, quoi. Ça me fait penser à l'échange de SMS que j'ai écrit. Oui. Un truc dégueu de tous les temps. Voilà, par exemple, est-ce que c'est con, mais si jamais il envoie un SMS, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce qu'il écrit en verlan? Est-ce qu'il écrit en phonétique? Est-ce qu'il a du vocabulaire? Est-ce qu'il se répète? Est-ce qu'il cherche ses mots? Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus insupportable que lire un adolescent écrit par un adulte de 30 ans, et ça se voit. Ça se voit dans les dialogues, dans la manière de parler, ou ce genre de trucs. Ou voir un enfant écrit par un adulte. Ou un adulte écrit par un adolescent, hashtag fanfic. C'est ça. Souvent ça, les adultes sont souvent un archétype de gens chiants et en dehors du temps, quoi. Ou alors quand ils écrivent des personnages de fiction adultes et qu'ils font réagir comme des ados. Voilà, souvent dans les fanfictions qui traitent de romance, ils agissent vraiment comme des ados qui ont leurs premiers émois, quoi. Non, les gens. Oh, il m'a effleuré la main. Mais ah, Dumbledore, vous avez 150 ans. Dumbledore, ça suffit. Ça m'est pas arrivé depuis Gilert. Au secours. Donc voilà, on a pris l'exemple de Dumbledore qui est un peu loin comme loin, exemple. Oui. Un peu obscur d'ailleurs. Imaginez Dumbledore réagir comme un ado qui effleure la main de son crush, quoi. Oh mon dieu. Remaé. J'ai prévu d'utiliser un gamin dans mon atrique, genre mioche qui a vécu dans la rue depuis toujours et qui gagne sa croûte en cirant des godasses. Petit hommage à Balthazar. Mais ensuite, moi, un truc qui est utile, c'est que vu que je suis surveillante avec les adolescents, j'ai absolument aucun souci. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de fréquenter des adolescents ou des enfants, si vous êtes vous-même plus adolescent, renseignez-vous, vraiment. Et si c'est un adolescent mature ou un enfant mature, ne vous contentez pas d'écrire comme un adulte. C'est tout un travail de travail sur un surdoué. Il y a l'émotion à prendre en compte, parce que bah, du coup, un adulte n'a pas la même réponse émotionnelle qu'un enfant, qu'un adolescent, ou qu'il soit mature ou pas, il réagira toujours comme un enfant. Tu as le droit de quitter la classe, Karma. Merci, toi aussi. Oui. On parlait du fait qu'on n'écrit pas de la même manière un enfant, un adulte, un adolescent ou une personne qui a vécu dans la richesse ou dans la pauvreté, etc. etc. D'ailleurs, on parlait du caractère des personnages, mais un enfant colérique, par exemple, ne réagira pas de la même manière qu'un adulte colérique. Il y en a un qui va piquer une crise, il y en a un autre qui va tout casser, par exemple. Bah, il y en a un qui va se rouler dans le magasin et l'autre, s'il le fait, c'est que c'est un autre travail psychologique qu'il y a à faire dessus. Hein. Oui, par exemple, si tu cries un adulte très bien, genre de 30 ans à peu près, qui roule par terre dans un magasin parce que sa femme lui a pas acheté des bonbons, ça va pas le faire. Ou un enfant qui casse tout. Voilà, c'est à ça. À part, oui, il y a des gamins qui cassent tout, mais dans le magasin, il va pas péter la gueule au premier qui passe, tu vois. Donc, encore une fois, les traits de caractère positifs, négatifs, ne sont pas vécus de la même manière par rapport à la tranche d'âge. Ou la classe sociale. Enfin, voilà, du coup, ça fait penser à lister ces choses-là quand vous créez votre personnage. Ça a l'air de rien, ça peut vous donner des pistes pour sa personnalité, son problème à régler d'ailleurs. On parlait des incohérences, mais si, bon, votre gamin de 6 ans, il adore le sexe, il y a un souci. Il faut réécrire le personnage. Hein. Bon, son exemple était dégueulasse, mais en revanche, si en créant votre personnage dans un coin de votre tête, vous vous dites putain, je suis sûr qu'il adore les fraises Tagada, mettez-le dans un coin, ce genre de détail, c'est toujours drôle. Ton exemple était dégueu, putain. Merci. Heureusement, on ne monétise pas les vidéos sur YouTube. Putain, non, on sera dans la merde.
Oui, on se doute que ça existe, mais là je pense que c'est un autre cas psychologique qu'un gamin qui fait juste un caprice. Hein. Oui, entre se rouler par terre et casser tout ce qu'il y a dans sa chambre, bon, je pense qu'il a besoin d'un suivi, hein. On va pas se mentir. Voilà, c'est juste pour dire que ça ne sera pas le même travail à faire sur le personnage que s'il se roulait par terre. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose à creuser. À creuser, pourquoi voilà. Est-ce que le gamin, au lieu de se rouler par terre comme tous les gamins, ce que je n'ai jamais fait, pète tout dans le magasin? C'est qu'il y a un souci, hein. Voilà. Est-ce qu'il a vu ses parents le faire, ou ce genre de truc? Les gamins sont limiques, hein, un peu, donc... Bah, par exemple, j'ai connu un gamin de 3 ans qui a tenu des propos racistes en maternelle parce que ses parents le faisaient à la maison. Donc, l'enfant n'est pas raciste, il est juste... Voilà, c'est du mimétisme. Voilà. Ce qui peut entrer dans ce trait de caractère observateur, par exemple. Ouais. Bon, est-ce que vous avez des questions? Parce que je commence à avoir vraiment très faim, moi. Ah, et on est presque 3 heures, en mode souvenir. Voilà, c'est ce que je me disais, mais... je tiens à vous dire que vous avez eu des questions vraiment très pertinentes. Parce que j'avais listé les choses dont je voulais parler, mais il y a certaines choses dont j'ai parlé... auxquelles j'ai pas pensé. Et c'est là que je me dis que c'est vraiment cool qu'on fasse ça en live, parce qu'en face cam, il y a les 3/4 de ce qu'on a dit que je n'aurais pas dit. Donc c'est... Puis du face cam, ça m'intéresserait pas, à part pour faire des résumés des lives. Ou alors pour faire des annonces, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas des annonces en live. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez parler un peu de comment construire des relations entre les personnages, notamment les romances? C'est vague, encore une fois. C'est vague, mais il y a le fameux espèce de schéma où tu mets tous tes personnages et où tu lis qui a une relation amoureuse avec qui a le béguin pour qui a une rivalité avec qui se méfie de qui. En fait, tu fais une espèce de grille avec tes personnages et avec des flèches de différentes couleurs. Tu, par exemple, le rose, gros cliché, le rose pour l'amour. Tu lis deux personnages parce qu'ils sont amoureux. Par exemple, le bleu, c'est pour l'amitié. Je fais que des exemples, hein. Le vert pour la rivalité, le violet pour uniquement relations sexuelles sans amour, etc., etc. Mais tu veux peut-être dire comment construire une relation logique, enfin... Alors, les relationships dynamiques, je regarde, mais moi je m'y suis jamais fiée, parce que pour moi, il existe autant de types de relations qu'il existe de personnes. Je sais que j'ai déjà créé des relations que tu trouveras dans aucun relationship dynamique. Oui, bah ensuite les gens en fait exposent ce qu'ils préfèrent voilà. Comme ship pour créer une relation équilibrée ou ce genre de truc, ça ne dépend que de toi en fait. Alors je vais juste te donner un conseil. Qu'est-ce que tu veux faire ressentir? Est-ce que les contraires s'attirent ou est-ce que qui se ressemble s'assemble? Est-ce qu'ils doivent surmonter des épreuves pour réussir à s'aimer, on va dire? Est-ce qu'ils s'aiment mais ils n'arrivent pas à se supporter? Est-ce que au-delà de ça, ils sont âmes sœurs mais ils ne peuvent pas être ensemble? Voilà. Il y a énormément de questions que tu dois te poser en créant une relation amoureuse. Qu'est-ce que tu veux apporter au travers de cette relation amoureuse? Voilà, mais on va dire si... Parce que je sais que je vois énormément de gens qui misent surtout sur les personnages avec des personnalités différentes, mais parfois il y a deux personnes qui peuvent avoir le même problème et qui peuvent arriver à le surmonter ensemble en se donnant la force. Ou il y a l'autre cas de j'ai un problème, l'autre a une personnalité inverse et du coup il va me faire comprendre comment lui n'a pas ce problème et me donner des conseils. Mais pour moi le principe des couples, c'est intéressant pour faire évoluer les personnes l'un avec l'autre. Alors sauf que... sont parfois utilisés dans les mangas, dans les premières pages de présentation, sauf que j'arrive pas à dire la suite parce que c'est trop loin. C'est la version canalisée, c'est fait par l'auteur. Ouais, les trucs où en fait il y a les flèches qui dit qui est avec qui, etc. Ça c'est bien une fois que vous avez votre liste de personnes, de personnages pour mettre un peu de clarté. Mais pour personnellement, pour construire une bonne romance, ce que je fais généralement, c'est que je me demande déjà à partir de quel moment l'un ou l'autre, ou en même temps, ou leur déclic vis-à-vis de l'autre personne. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un tombe amoureux de quelqu'un d'autre? Je travaille rarement sur le coup de foudre, par exemple. Pareil. J'aime bien qu'une relation se développe avant que les sentiments naissent. Bah moi, personnellement, ça, je ne le touche qu'au scénario. En général, quand j'écris mes personnages, selon leur personnalité, selon ce qu'ils peuvent s'apporter par rapport aux défauts qu'ils doivent combattre au fur et à mesure de l'histoire, bah parfois je me dis, ah bah machin et machin, ce sera intéressant qu'ils soient ensemble. Oui, effectivement, ça touche le scénario. Bah donc, et uniquement une fois que je suis au scénario, je me demande comment ils peuvent se mettre ensemble. Est-ce que ça va être un flirt qui va durer des tomes et des tomes? Est-ce qu'ils vont vite se comprendre l'un l'autre et se mettre ensemble assez vite?
Ou est-ce qu'au final, ils vont s'aimer mais jamais se mettre ensemble? Bon, en création de personnage, je te dirais, si dans le personnage, il faut qu'ils soient en couple, tu mets juste en couple. Voilà, c'est ça, genre si t'as pas envie de travailler sur ce personnage s'il est célibataire. Mais moi, personnellement, je dirais juste que quand je crée mes personnages indépendants les uns des autres, vraiment, j'insiste là-dessus, même si t'es dans l'idée que ces deux personnages seront en couple, si tu veux faire une chose sur une romance, crée-les quand même séparément l'un de l'autre. Quand même. C'est des fois tu dis ces deux personnages sont en couple et en avançant dans l'histoire tu fais putain ça va pas être possible. Et au final tu te dis oui mais tel autre personnage lui amènerait tellement plus d'équilibre et de sincérité. Ensuite comme on revient en caprice d'auteur, ouais. Si le couple en question dessert ton histoire ou alors la change complètement, c'est pas un bon couple. Voilà. Ça on va souvent parler du caprice d'auteur, mais oubliez pas que le plus important c'est la cohérence de votre histoire et le message que vous transmettez. Donc si à un moment vous voulez faire un truc pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à votre public et que ça dessert le principe de base, laissez tomber. Juste laissez tomber. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais conseiller, c'est quand tu crées tes personnages, vois selon toi qui pourrait faire les couples les plus dynamiques. Une fois qu'il y a un peu plus de clarté là-dedans, fais ce truc de relier par des flèches qui avec qui, etc. etc. Mais bon, là on touche au scénario encore une fois, ouais. Donc on en rediscutera plus tard dans les relations de personnages. Mais en tout cas, si la création de personnages, tu veux qu'ils soient ensemble, travailler indépendamment l'un de l'autre, sinon ça veut dire qu'ils sont condamnés à, qu'importe l'histoire, être ensemble. Et ça veut dire que t'as limite créé des siamois, quoi, qui peuvent pas vivre l'un sans l'autre. D'ailleurs, quand tu crées tes personnages avec les différents caractères et tout ça, demande-toi, est-ce qu'ils pourraient vivre ensemble, être amis, être en couple? Sachant que c'est en dehors du scénario en question. Tu te dis juste, est-ce que ces personnages pourraient s'entendre? Pourquoi ils ne s'entendraient pas? Pourquoi les traits de caractère en question, ou ce genre de trucs? Ouais. Voilà. Bon, si vous avez plus de questions, nous on va abandonner là. Parce que j'ai faim. Pourtant, j'ai mangé avant le live. Oui, mais t'as mangé qu'une fois. Bon, l'air de rien, on a traité plein de choses. Bon, bah non, plus personne n'a de questions. Bon, on va arrêter là, du coup. Bah écoutez, passez une très bonne soirée. Et je pense que la semaine prochaine, on va rester sur la création de personnages. Mais là, ça va être protagoniste et antagoniste. Donc, comment créer un antagoniste? On est à 3 heures. Alors que pour vous, c'est bien et que vous prépariez aussi vos questions, antagoniste, protagoniste, individuellement déjà l'un de l'autre, ce qui fait qu'un protagoniste c'est un bon protagoniste, un antagoniste un bon antagoniste, avec but et tout ça, et surtout comment créer cet effet de, comment on appelle ça, ce qui les oppose. Oui, la confrontation. La confrontation, voilà. Voilà, donc pensez à vos questions, regardez le live, faites vos leçons, enfin tout ça, buvez de l'eau. Soyez sages, buvez de l'eau, tout ça. Allez, à plus. Bye.